Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur ce nouveau rapport de bataille Edge of Sigmar. Aujourd'hui, les deux généraux se battent sur un plan divin. En effet, Morgoth déploie son armée Blades of Khorne, menée par l'élu éternel en personne, Archaon. Sa toute-puissance a attiré deux buveurs de sang et un prince démon venu du plan démoniaque. À leur suite, une horde de Bloodweavers hurle. Du sang pour le dieu du sang, des crânes pour le trône de crâne. Au milieu des forêts sauvages de Gur, Miladin apporte l'ombre de la mort avec ses Osiarchs Bonne Réponse. Nagash lui-même vient réclamer son tribut d'âme. Une légion de Mortek Guard et de Necropolis Stalker marche sous son implacable commandement. Cette récolte d'âmes, de crânes et de sang se déroulera sur le scénario bec et ongle du manuel du général. Quatre objectifs sont présents sur le champ de bataille. Un général devra en contrôler un pour marquer un point, deux pour marquer un point de plus, et plus que son adversaire pour marquer un point supplémentaire. Passons, sans plus attendre, à la présentation des armées. Salut à tous, moi c'est Miladin, et aujourd'hui j'ai le plaisir de jouer Osiarchs Bonne Réponse en Petrifex avec le gros papa Nagash. C'est la première fois que je le sens en rapport de bataille, donc je suis super content. Aujourd'hui dans mon armée, tout simplement, ce sera un Battle Regiment, donc en une pause, avec le Big Bone Daddy Nagash, suivi derrière en fait de trois différentes unités de Mortek Guard, une première de 20 et les deux secondes de 10 figurines, suivi derrière d'un Gothizar Harvester et enfin pour finir, trois Necropolis Stalker. Donc c'est une armée qui, sur le papier, est assez légère en termes de nombre et de population. Ceci dit, il va y avoir beaucoup d'impact sur la table, surtout avec le Big Papa, le Big Boss Nagash, au niveau des sorts, au niveau du corps à corps, au niveau des buffs et des synergies que je vais pouvoir étaler sur toute mon armée. Et le but du jeu, en fait, avec ma grande stratégie de bataille qui est « hold the line », c'est-à-dire tenir la ligne, ça va être de survivre le plus longtemps possible à tous ces Blood Rivers, ces Blood Thirsters et le petit là sur son gros dragon, voilà. On l'appelle Archaon. Bon. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que notre petit Nagash, il a une petite surprise. Il a ramené un Purple Sun de Shaish avec lui, donc ce sera un petit bisou de sa part à Archaon. Voilà. Mais en tout cas, ça va être une super partie parce que justement, on va essayer de voir comment on va pouvoir s'ajuster l'un face à l'autre. Archaon contre Nagash, Mortek Guard contre Bloodthirster et Blood River. Donc ça va être assez intéressant. Et je vais laisser la parole à Morgoth pour la présentation de son armée. Bonjour à tous, moi c'est Morgoth et je vais jouer aujourd'hui les Blades of Khorne avec l'allégeance justement des Belfood Lords qui vont permettre, avec mes buveurs de sang ici présents, de pouvoir courir et charger. Mais, vu qu'il y a Nagash qui est en face de moi, comme l'a dit Miladin juste avant, ce petit perso est un gros perso, vu que ce n'est que Archaon, le patron même de la Chaos Corp, hein, comme on dit si bien dans le milieu. Et avec ça, justement, il va être accompagné de quelques Blood River, hein, parce que jouer des gros persos, c'est marrant, mais après, sur le papier, on n'a plus beaucoup de points. Et en termes d'autres persos, à force, on les voit souvent avec les Blades of Khorne, les Princes Démons, justement, de Khorne, qui vont permettre justement d'essayer de contrecarrer un peu les plans de Miladin. Et la petite surprise, Miladin a justement son Purple Sun, et moi c'est juste un petit fouettard. Mine de rien, ça ne vaut pas grand chose, mais sur un petit Archaon qui peut charger T1, moi je ne dis pas non face à du Nagash, hein, de toute façon c'est de vieilles histoires de famille, etc. Voilà. Que dire d'autre par rapport à ça? Donc là, ma grande stratégie justement, ça va être de conserver le plus de bêtes possible. Bon, ça tombe bien, vu que j'ai Archaon et deux buveurs de sang. Et avoir justement, après pour le reste de la partie, vu que j'ai pas mal de petits Blood River par-ci par-là, face à des Mortek, pas grand intérêt à faire tenir la ligne, mais du coup ça va me permettre surtout d'encaisser et d'engranger surtout pas mal de dîmes de sang, pour me permettre justement de faire de petits tricks au cours de la partie pour essayer de sauver la situation, pour aller chercher des unités par-ci par-là. Voilà. Et on se retrouve tout de suite justement pour le déploiement. Ben nous voilà autour de la table, les déploiements ont été faits. Miladin, tu as un déploiement de monopose, donc tu as l'initiative. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter donc en premier ton déploiement? On passera à toi, Morgoth, ensuite. Eh bien, c'est un déploiement assez simple pour ce type de scénario, donc bec et ongle. Le but du jeu, c'était de pouvoir déjà se mettre sur mon premier objectif juste ici et l'avoir dès le déploiement, et ensuite de pouvoir me préparer à aller chercher au moins cet objet-là.
et potentiellement se préparer à aller se confronter à l'autre bout de la table contre du corn pour le troisième objo. Et essayer de voir un peu comment mon adversaire allait se placer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Morgoth, je lui ai laissé l'opportunité de pouvoir placer une unité en premier avant que je mette toute mon armée. Donc c'était un peu pour sonder où est-ce qu'il allait se mettre. Il a bien évidemment mis une armée, enfin une unité un peu vaguement au centre du champ de bataille pour pas me donner d'informations. Donc du coup, il a fallu que je donne à peu près mes plans, que je donne mes plans dès le déploiement. Donc voilà, on en est là, avec Nagash bien évidemment à côté d'un décor ésotérique. Pour avoir plus 4 en lancement de sort, c'est toujours bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a pris ce décor-là, juste ici, avec le petit crâne là, pour jouer le décor de faction des Ossearkbone Reapers. Ça va avec la table, et puis ça m'évite d'avoir à prendre tout un truc qui est super gros. L'ossiarque, il faut à peu près une grue pour déplacer C'est ça, l'armée. c'est ça, c'est ça. Et puis ça va dans le thème, hein. En fait, ils sont en train de le construire, le décor. Voilà, Voilà. c'est en cours, c'est en cours. Voilà. Donc voilà, ouais, déploiement assez basique, mais on va dire efficace, vu que ça va me permettre normalement d'aller chercher au moins 2 objets sur le premier tour. Donc voilà. Fort bien. Bon, et toi, Marvel? Ben là, comme l'a dit Miladin, justement, avec la petite pause pour savoir où il allait se placer au fur et à mesure, en sachant pertinemment qu'il allait avoir un des objets, bizarrement celui-là, qui allait être complètement hors de portée de mes petits Blood Reavers. Ils sont forts, ils sont bons, ils sont musculeux, mais ça sert à rien face à une armée de Mortecs, hein, faut reconnaître. Et du coup, la pause pour mettre justement le plus de monstres possible et inimaginable face à du Nagash. Moi, ma grande stratégie est de garder le plus de monstres possible à la fin de la partie. Mais prendre le crâne de Nagash pour Khorne, ça fera plaisir là aussi, hein, faut pas le cacher. Une victoire morale. Oh, bah, bien sûr, la victoire morale à coup sûr, hein, on finit la partie dès que c'est fait. Hein. Et surtout, bah, là aussi, un peu comme Illadin, justement, de voir garder l'objectif qui était dans mon territoire et de voir après justement pour récupérer un autre objectif, vu que celui-là là-bas on l'oublie hein, pour la partie, hein, et de voir en sorte justement au fur et à mesure comment vont se passer les déploiements, les redéploiements, ce genre de choses. Voilà. Ok, bien, très bien. Donc, les déploiements sont faits, c'est présenté. On peut donc tout de suite passer au tour 1. Début du tour 1, tu as donc l'initiative et donc tu as pris le premier tour. C'est ça. Début de phase des, enfin, avant le début de la phase des héros, vous gagnez Des points des de points de commandement. commandement. Alors, c'est différent pour les Ossearkbone Reapers parce que du coup, eux n'utilisent C'est pas vrai. des points de commandement, ils utilisent des points de discipline inflexible. Mais ça se joue un peu avec les mêmes règles, c'est-à-dire que je vais prendre le tour 1, donc je vais gagner un point de discipline inflexible parce que j'ai pris le premier tour. Et je vais prendre un autre point de discipline inflexible parce que j'ai un héros sur la table. Et après, en fait, ça va se générer d'une autre façon, c'est que je vais rouler un dé pour chacune des unités que j'ai sur la table. Et pour chaque 6 que je vais faire, je vais générer un autre point de discipline inflexible. Après, il y aura des sorts qui pourront faire que j'en rajoute. Mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis à 2 points de discipline inflexible, plus potentiellement d'autres points en fonction du nombre de 6 que je vais faire. Donc je vais commencer par faire ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités sur la table. Je vais lancer 6 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour chaque 6, ça va être un point de discipline inflexible. C'est pas mal. Ça m'en fait 3. Je l'ai même. Donc je vais avoir Donc tu as 5 points pour commencer. 5 points de discipline inflexible pour commencer. Ça m'évitera de passer des sorts en phase de héros et je pourrai en passer d'autres avec les 8 de Nagash. Donc voilà. Ça tombe bien, dis donc. Pour que vous puissiez suivre, on les comptera comme des PC sur la zénithale. Mais bon, voilà. Maintenant, tu feras la différence. C'est ça. Mais voilà, on ne va pas tout refaire le setup. Pour des Ossiarchs, même s'ils sont bien sympas, c'est très compliqué. Très bien, et donc toi en face, tu gagnes 2 points de commandement, puisque Voilà, tu parce que joues je en commence deuxième. en deuxième. J'ai mon général qui est présent sur le champ de bataille. Pour information, mon général, Archaon compte comme un général, c'est bien beau, mais c'est surtout lui, le seul petit buveur de sang là. Donc du coup, je passe à 3 points de commandement, et quand ce sera à mon tour, Archaon me fera générer automatiquement un autre point de commandement, mais comme c'est pas mon tour, voilà, pour l'instant, je commence avec 3 points de commandement. 3 points de commandement. Voilà, bon, on va pas refaire les explications à chaque fois, mais voilà, vous avez compris comment ça fonctionnait. Eh bien, c'est parti, ta phase des héros. Et bah, tout d'abord, en début de phase de héros, on va commencer par choisir des objectifs tactiques.
pour gagner des points supplémentaires sur ce tour. Et ce que je vais faire, c'est l'avance féroce, où en gros, je vais faire courir 3 unités. Il faut que ces 3 unités puissent finir à 3 pouces les unes des autres. Il faut que je choisisse ces unités. Et bien, ça va être la première unité de 20 Mortec juste ici, le Gothizar Harvester, et la deuxième unité, cette fois-ci de 10 Mortec, juste là. On va aller vers l'Ojo, on va se faire plaisir et on va gagner des points supplémentaires. C'était prévu. De l'autre côté, ensuite, il faut que je choisisse une action héroïque, tout simplement parce que c'est la règle. J'ai le choix, je peux gagner un point de commandement, sauf que j'en ai pas besoin sur un 4+. Je peux faire Heure de gloire, mais bon, on n'en est pas encore là. L'Heure de Voilà, gloire, ce sera pour après. un peu prématuré, ouais. Ce sera pour après. Ou alors, je peux tout simplement faire dissiper un sort persistant à mon sorcier, enfin un héros qui n'est pas sorcier, et en vrai, Face à du corne, hein, ouais. ou guérir quelqu'un qui a perdu des points de vie. C'est un peu prématuré aussi. Bon, comme je dois en faire un, je vais choisir de prendre un point de commandement sur un 4+, mais ça va servir à rien, voilà. C'est juste pour le fun de me dire, voilà, Exactement. Moi je peux le faire. Bah. Du coup, moi aussi, il faut que je fasse la même chose. Alors là, l'heure de gloire, sourcil, c'est même pas la peine. Par contre, je pourrais soit choisir de dissiper un sort avec justement Buveur de sang ou Archaon. Je pourrais prendre un point de commandement en plus. Là, ce tour-ci, autour de Miladin, j'ai suffisamment de points de commandement actuellement, donc ça ne m'intéresse pas plus que cela. Je vais surtout prendre justement la grande stratégie, enfin dans l'action héroïque, voilà, pour faire en sorte justement de pouvoir dissiper un sort supplémentaire. Et je vais le faire justement avec mon buveur de sang ici présent, qui a déjà un Génial. bonus naturel de plus 2 pour dissiper les sorts. Aïe, aïe, Donc, on pourra aïe, déjà aïe, aïe, dissiper deux sorts avec un bonus de plus 2. Très bien, très bien. Alors, on en est là. On en est là. Des buveurs de sang qui Bah, vont ça commence, hein. Moi, sur mon contrat de corps, c'est marqué, hein. Bah, maintenant, on peut passer justement à la véritable phase des héros, donc avec tous les lancements de sorts qui vont partir. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lancer Protection de Nagash avec le Big Bone Daddy. Justement, alors, je vais commencer par le lancer. J'ai plus 4 en lancement de sorts. Donc logiquement ça se lance sur du 6, ça devrait passer, là c'est juste pour savoir si mon adversaire a une chance de le dissiper, en espérant pas faire de double 1 bien sûr. Il y a eu un. Voilà, donc ça fait 6, 6 plus 4 ça fait 10, donc il lui faudra un 11 pour dissiper. Avec tous les bonus bien évidemment. Attendez, je me recoiffe du coup. Alors, je vais dissiper avec mon général, qui a bonus de plus 2. On avait invoqué le double 1, bah voilà. Techniquement, c'est un 11. Oui, techniquement, c'est un 11, voilà. Ah, ok, ça va, franchement. Donc, Nagash va se mettre protection de Nagash sur lui-même. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir, en plus de ses autres wards, mais il ne pourra pas les combiner, il va avoir une ward à 5. Et en fait, s'il subit une blessure mortelle qui n'est pas annulée par aucune ward, et ben en fait, il va pouvoir, à la fin, une fois que toutes les blessures ont été allouées, il va pouvoir se téléporter n'importe où sur le champ de bataille et à 9 pouces de tout ennemi. Donc, ça va pouvoir en fait me permettre de m'échapper d'une situation bien relou. Deuxièmement, Nagash va lancer un bouclier mystique. Donc, du coup, ce sera sur du 6. Là, le but du jeu, c'est de savoir est-ce que je vais pouvoir ne pas me faire dissiper. J'ai fait 7, 7 plus 4 ça fait 11, donc il te faudra un 12 pour dissiper. Non mais là j'ai déjà fait un double, c'est bon, je te le laisse, là celui-là il est gratos, Donc il est gratuit. c'est un bouclier mystique, le bouclier mystique va passer sur notre ami Nagash, hein, comme ça on passe à une sauvegarde à 2+, ça c'est cool, les sauvegardes à 2+ c'est cool. Derrière, Nagash va passer... Allez, un trait mystique. Voilà. Il peut le lancer autant de fois qu'il le veut. Donc là, on a fait deux sorts, il m'en reste 6. Trait mystique, c'est parti. Oula, on a failli se prendre un double as. Donc ça fait 4 et 4, 8. Est-ce que tu veux le dissiper, mon ami Morgoth? Oui, je vais le dissiper cette fois-ci avec Archaon, qui peut dissiper jusqu'à deux sorts, et il est à côté justement d'un décor qui lui donne plus 1 pour dissiper, Dissiper. donc du coup, autant en profiter. C'est bon, tu C'est sais, dissipé. Dissiper. Et ben, vous savez quoi? Nagash il va en relancer un. Donc là, ça fait 3 sorts de lancer. On est parti. Donc là, ça fait 9 et 4, ça fait 13. Donc du coup, ça va être compliqué pour Archaon de le dissiper.
Il pourrait le faire, mais il ne le fera pas. Et Nagash va faire un petit renforcement d'armes Nadirit qui pourrait être sympathique, juste pour le fun. Hop, 4 et 4, ça fait 8, ça passe. Est-ce que notre ami Archaon veut le dissiper? Et tu restes quoi comme sort justement après à lancer? Alors, j'ai fait 4 sorts si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, là c'était mon 5ème. Ouais. Donc il me reste encore des traits mystiques et potentiellement le soleil noir, le Purple Sun. Oui, c'est vrai, c'est le soleil noir. C'est quoi le sort que tu viens de lancer C'est renforcement d'armes Nadirit. En fait, ça me permet de faire en sorte que par exemple les Mortec Guard puissent avoir 2 touches, non plus que sur du 6, mais sur du 5 et du 6. D'accord. Donc ça leur donne un peu plus de punch, quoi. Non, d'accord. Mais allez, je vais le dissiper avec ce buveur de sang-là, qui a un bonus de plus de 2, pour dissiper qu'une seule fois. 8 plus 2, 10, c'est bon, c'est pas passé. Yes. Alors du coup, maintenant Nagash, il lui reste 3 sorts. On va partir sur un autre trait mystique, hein, pourquoi pas. Ouf, ah. Ça se rapproche à chaque fois du double S. Donc là, j'ai fait 3 plus 4, ça fait 7. Archaon a potentiellement une autre dissipation. Ouais, toi, il te reste encore 2 sorts à lancer. C'est ça. Et moi, il me restera 2 dissipations. Non, mais vas-y, 2W1 se rapproche doucement. Je t'ai montré la voie, vas-y. Du coup, ça me fait 2 traits mystiques qui sont passés. Là, il me reste 2 sorts. On va faire un dernier trait mystique. C'est parfait. Ça fait 8 et 4, 12. Sur un double 6 d'Archaon. Ah, ok. Je fais un double 1, je peux faire un double 6. Oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Ouais, voilà. Hein. Donc, là, non, ça ne marche pas. Techniquement, c'est un 35, ça passe. Et là, on va faire du coup le soleil noir. Enfin, le soleil violet. Ouais. Il change de couleur. Il change de couleur. Ça va vous aider, c'est pour ça. Donc, le soleil violet, donc, ça passe sur du 8 de base, mais ça va passer sur du 4 avec les dés, parce que j'ai plus 4 lancements. Allez, mon ami. Allez, là, ça fait 10. 10 plus 4, 14. Écoute, on va passer notre petit soleil violet. On va le mettre juste là. Voilà. Juste ici. Il est sympa, le soleil violet. Il est mignon. Il est mignon. Il est drôle. Et bien évidemment, je vais commencer aussi à utiliser des aptitudes de commandement. Et je vais utiliser pour un point de discipline, donc je vais passer de 5 à 4, l'aptitude de commandement de Nagash qui me permettra de relancer les jets de touche et de sauvegarde de 1 pour toute mon armée et d'être immunisé à la bravoure. Mais je suis un Osirk Bone Reaper, du coup je suis immunisé à la bravoure de base. Et du coup, là on passe à la fin de phase de héros. J'ai vu que je n'ai rien d'autre à faire. Et tout d'abord, il faut lancer un dé pour savoir si ce sort persistant devient sauvage. Donc ce sera sur un 5+, qu'il devient sauvage. Oui. Et ben voilà. Il devient sauvage. Et du coup, je ne le contrôle pas. Donc du coup, mon soleil violet est devenu sauvage. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que on est toujours à mon tour. Donc c'est toujours à moi de choisir en premier quel sort prédateur sauvage on va déplacer. Et bah du coup, comme il n'y en a qu'un, c'est moi qui vais le déplacer. Et je vais déplacer du coup notre petit Purple Sun de Sheish comme ça, pour qu'il revienne un peu plus comme ça. Voilà, ça marche, c'est parfait. Et du coup, Nagash va subir sur un 1, rien du tout, entre 2 et 5, des 3 blessures mortelles, et sur un 6, des 6 blessures mortelles. On est parti. Donc ça va faire des 3 blessures mortelles, une blessure mortelle. Je vais du coup choisir sa ward à 6, parce que j'ai plein de wards, mais je vais du coup choisir sa ward à 6 pour ne pas sauvegarder la blessure mortelle, en espérant ne pas faire de 6. Je fais un 3. Donc du coup, notre ami Nagash va pouvoir se téléporter n'importe où sur le champ de bataille. Hop là. Donc là, il vient se taper tout seul pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Exactement. Exactement. Le but du jeu, c'est bronzage, de se mettre... là. C'est ça. Le but du jeu, c'est de se mettre pas trop proche d'Archaon, quoi. On le regarde de loin, on se respecte. Il y a le petit sonar en attendant, il est où? Donc Nagash est déplacé, c'est sûr. Il s'est auto-tarté, il a comme ça, tac, ouais, pour s'en aller. C'est il ça. Se met une gif, il se téléporte. Bon, il y a eu un moment de doute. Il y a eu un petit moment de doute. Oui. Alors, la raison pour laquelle je me suis mis là, c'est que j'étais quand même à 30 pas du Purple Sun pour pouvoir potentiellement le dissiper au tour adverse. Et tout en prenant l'objectif juste ici. Donc en gros, pour inviter, pourquoi pas, Archaon à s'excentrer sur la table. Et au moins comme ça, je peux potentiellement avoir plus d'objectifs pendant un peu plus de temps que Morgoth. Mais ça reste à voir. Ça reste à voir. Oui, donc voilà, mais une bonne phase de héros en soi. Donc on est plutôt content.
Très bien, donc tu termines ta phase de héros ? Phase de héros terminée. Donc on va pouvoir passer à ta phase de mouvement. C'est ça. Et on se retrouve tout de suite après. Donc du coup, ma phase de mouvement est terminée, et il s'est passé beaucoup de choses assez intéressantes. Donc premièrement, sur cet objectif ici, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire. J'ai fait mon avancée féroce. Donc cette unité a utilisé un point de co après avoir couru de 1, enfin un point de discipline pour pouvoir avancer de 9. Parce qu'ils ont plus ça en course et charge avec leur petite bannière. Ici, eux, ils n'ont pas eu besoin d'utiliser un point de discipline inflexible pour faire la même chose. Ils ont juste avancé de 8 d'un coup. Le Gothizar Harvester a fait sa course, mais de toute façon, même sans course, il est arrivé juste derrière ses unités. Mais pour faire mon avancée féroce, il fallait quand même que je fasse mon jet de course. Donc, c'est parfait. J'ai cet objectif. Je vais avoir mon objectif secondaire. Donc de ce côté-là, c'est bien géré, aucun souci là-dessus. Sachant aussi que j'ai utilisé plusieurs fois l'aptitude de commandement pour avancer de 3 pouces supplémentaires. Je peux l'utiliser plusieurs fois parce qu'en Ossiark Bone Reaper, on n'est pas limité à utiliser plusieurs fois la même aptitude de commandement quand c'est avec des points de discipline inflexibles. C'est ce qui s'est passé ici du coup. Donc mes Stalkers avancent de 6 de base, ils ont fait une course à 4 et ils ont avancé... de 3 pouces supplémentaires qui sont arrivés juste ici. Et puis bah, nos amis Mortek juste là sont un petit peu plus décalés vers la droite pour pouvoir potentiellement supporter les Stalkers sur les tours qui suivront. Et en fait j'ai eu une petite réflexion sur la fin de la phase de mouvement. Est-ce que j'allais attaquer nos amis Blood River avec le Big Bone Daddy Nagash ou quitte à me risquer une petite exposition. Le retour. Une petite exposition à ça, là. Ces choses-là. Là. Mais je me suis dit que de toute façon, j'avais pas forcément besoin de prendre l'objectif à ce tour-là parce que j'avais forcément plus d'objectifs que mon adversaire à ce tour, rien qu'avec ces deux-là. Donc, c'était mieux en fait de me retirer de ce côté-là. Pourquoi ? Pour avoir une plus grosse distance à fournir à Archaon pour qu'il puisse faire sa charge. Même chose pour les buveurs de sang. Même s'ils ont des boosts. Et de l'autre côté, en fait, je me mettais non seulement à un pas d'un décor ésotérique, pour avoir toujours le plus sain en lancement de sort et en dissipation, surtout pour rester à 30 pas du Purple Sun, pour pouvoir le dissiper en début de phase de héros de Morgoth. Donc voilà, on en est là. Et puis, c'est la fin de la phase de mouvement, j'ai rien à faire, donc du coup, on peut passer direct à la phase de tir. Donc au final, phase de tir, il n'y en a pas. Phase de charge, il n'y en a pas. Alors. Phase de combat, il n'y en a toujours pas. Phase de déroute, on est au cirque, donc on n'en a pas, nous. Mais dis-nous, qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui reste? Bah, on va tout simplement allouer les points de ce premier tour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un point pour avoir cet objectif-là au départ. Un deuxième point parce que j'ai deux objectifs. Un troisième point parce que j'ai plus d'objectifs que mon adversaire. Et deux points grâce à mes objectifs auxiliaires, le fait d'avoir fait mon avance féroce. Donc ça va me faire 5 points de victoire à la fin de mon T1. Est-ce que tu peux faire mieux ? On va voir, attends, bouge pas, j'arrive. Alors, début de mon tour 1, sachant que, en parlant de avant des actions héroïques, il faut moi aussi que je définisse une tactique de bataille pour ce tour-ci. Là, j'ai plusieurs choix. Du coup, je peux prendre aussi, comme il a dit, l'avance féroce, pour marquer justement, non pas 2, mais 3 points, vu que si je le fais avec 3 monstres à 3 pas autour d'eux, je marque 1 point supplémentaire, donc au moins ça me permet de revenir au niveau du score. Les autres options qu'il me reste à faire, c'est de dire, bah, tiens, je vais prendre un objectif, ou, bizarrement, essayer de tuer le seigneur de guerre adverse. Je le fais T1, j'ai le grand sourire, etc. Bon, pas moi. Je vous cache pas que c'est plutôt l'avance féroce qui va me convenir le plus, car même si après je vais chasser Nagash et que je le tue, c'est pas plus grave que cela, puisqu'après je suis tranquille pour le reste de la partie, donc autant être sûr de marquer des petits points au fur et à mesure. Sachant que maintenant, en termes d'action héroïque, et là aussi en termes de points de commandement, j'en avais 3 à ton tour. Mon général est toujours vivant, donc j'en en fais 4. Mmh. C'est le tour d'Archaon, ça lui en fait 5. Ça commence à monter là. Vu que j'ai en termes de bataillon le bataillon des seigneurs de guerre, je pourrais décider à mon tour d'avoir un 6e point de commandement pour ce tour-ci. Là, ça en fait un peu beaucoup, donc on va se calmer là tout de suite. Mais surtout, j'ai essayé de faire en sorte que Archaon ait un point de commandement pour ce tour-ci en plus. Voilà.
Non, mais j'aime bien faire les 1 maintenant, comme ça je ne les ferai pas après, rassure-toi. Moi, en action héroïque, du coup, Nagash avait perdu un PV, vu qu'il avait utilisé le Purple Sun de Shaish pour se déplacer. Je vais du coup jeter 2 dés. Si je fais moins de 10 ou 10, tant que je ne fais pas 11 ou 12, il va récupérer son PV perdu. C'est parti, j'ai fait 6, donc il va récupérer son point de vie perdu. Il repasse à beaucoup. C'est juste frotté là, oui. La tâche là, je l'enlève. Voilà. C'est parti pour le début de phase de héros. Oui, bah. Un général quoi ? T'as pas un. Non, quoi, non, c'est. Oui, alors pour les Ossiar que Bone Reaper, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'ils ne génèrent leur point de discipline inflexible qu'au début du round et pas au début de chaque tour. Donc je reste toujours avec mes 2 derniers PC restants pour cette ronde là. Tout d'abord, dans les choses à faire, la phase de héros. Le prince démon va dépenser un point de commandement pour activer sa capacité de diviser par 2 ta course, ta charge, pour toutes les unités à 18 pas. En ce 8, tout le reste de la phase des héros, bon ben, Archaon va se lancer un bouclier mystique. Hein. Pour une fois que on peut lancer de la magie, profitons-en. 6, plus 1, 7. Eh ben, j'ai plus 4 pour dissiper. C'est parfait. Non, mais ça, c'est en mode... Non, non, vas-y. Amuse-toi, si tu veux. Écoute, il va se lancer un trait mystique. Ah non, si, il va lancer un trait mystique. Ok. Voilà. Bah, écoute, je vais le dissiper aussi. Aussi. Non, mais voilà pourquoi Korn n'a pas de magie. Alors, petit résumé de ce premier tour de Korn. Alors, phase des héros, moi j'avais fait mes petites actions. Phase de mouvement, j'ai fait en sorte donc, d'avoir mes 3 petits monstres à 3 pas autour pour marquer la tactique de bataille. Le reste, c'est un peu redéployé par-ci par-là. Le prince démon, ici, pour justement essayer de bloquer, tant qu'il le peut, l'avancée inexorable des Ossiarques. Hein, de toute façon, c'est beau. Sinon, phase de tir, mes viveurs de sang ont couru, donc il n'y aura pas de tir. Phase de corps à corps, je ne vais pas tenter une charge, sinon je perds la tactique de bataille pour ce tour-ci. Voilà. Encore une fois, c'est un tour 1 très rapide à ce niveau-là. On verra pour le T2, hein, bizarrement, ce ne sera pas la même chose. Oui. Et donc, en termes de scoring, j'ai fait ma tactique de bataille 2 points. Comme je l'ai fait avec mes monstres, c'est 3 points. J'ai 2 objectifs, donc je marque 2 autres points supplémentaires. J'en ai pas plus que toi, etc. Donc finalement, j'en ai fait autant que toi. Voilà. C'est ça. Et tu cernes un petit peu Nagash. Voilà. J'ai l'impression qu'il est un peu dos au mur, le pauvre. On verra après comment ça va se passer. Du coup, on peut passer au tour 2. Bizarrement, ça va être drôle. Ça va être très très drôle, surtout pour quelqu'un. Ouais, c'est grand sourire carnassier pour savoir si Nagash ou pas. Hop là, yes. Ah, non, non, c'est pareil. Attends, vas-y. Ah, c'était pour mieux faire, tu vois, un magnifique 6. Ah non, oh, oh non, c'était un 2. Non, c'était annoncé. C'était un 2. Oui. Ah. Laissez-moi quelques instants pour respirer. Ah. Ouh. Oh mon dieu, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il n'a qu'à ce nom, c'est Archaon. Voilà. Ah non. Ouf. Bon, je crois qu'on va pouvoir reprendre un peu nos esprits et voir comment ça va se passer. Ça marche. Alors du coup, au début du round, il fallait que je fasse mes points de discipline inflexible. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vais avoir le deuxième tour, je vais automatiquement en gagner 2 points de discipline inflexible. Derrière, je vais en gagner 1 parce que Nagash est sur la table, pas parce qu'il est général, mais parce que c'est un héros aussi arc. Et derrière, j'ai fait 2-6 sur les 6 dés que j'ai lancés. Donc ça va faire 5 points de discipline inflexible. Profite qu'il soit encore en relâche. Alors, de mon côté, début tour 2 2, donc comme je commence à jouer en premier, j'ai un point de commandement. Mon général est toujours en vie, j'en ai 2. Comme Archaon est sur le champ de bataille à mon tour, du coup, je m'en fais 3. En termes de tactique de bataille, ce tour-ci, là, je ne vous cache pas que l'invitation est beaucoup trop tentant, hein, je ne peux pas le laisser tel quel. Je vais essayer, je vais tuer le seigneur de guerre adverse. Hein. Je vous rappelle qu'il est juste ici. Sachant que en action héroïque, là je vais lancer l'heure de gloire de Papa Archaon, hein, parce que là c'est trop. Là, l'alignement des planètes fait que je ne peux pas faire autrement que cela. Je vais faire un peu de même. Ça va être l'heure de gloire du Big Bone Daddy. Hein, c'est un peu comme ça qu'on va se régler nos comptes. Oui. Une double heure de gloire, c'est beau ça. L'espoir fait vivre, hein. Ben, en tout cas, comme t'es mort, ben, là du coup il n'y a plus d'espoir. Je te l'annonce direct.
Alors, sinon, pour le reste de la phase des héros. Alors, histoire justement quand même d'empêcher que Miladin continue à envahir quand même le reste du champ de bataille, je vais claquer un point de commandement de nouveau avec mon prince démon pour faire en sorte que ses mouvements et ses courses, enfin ses courses et ses charges soient divisées par deux, yes. Vraiment pour vraiment sécuriser ce flanc-là. De toute façon, ce tour-ci, le seul flanc qui m'intéresse, il est là. Du coup, phase des, le reste de la phase des héros, point de 200, parce que c'est la grande particularité de Korn, mais les points de 200, pour l'instant, il n'y en a pas, donc on, je le mets de côté. Il n'y a eu aucun mort. Ouais. Mais sinon, Arcamon peut lancer ses sorts. J'en profite tant que Nagash peut encore une fois dissiper. Mais vas-y. Un petit bouclier. Voilà, sur le principe. Ça passe sur le principe, mais je vais le dissiper avec. Que ça passe. Je fais 5, je n'ai pas de points de bonus. Ah, donc c'est sur un 6. Donc en fait, non, ça ne. J'ai 8 dissipations, je vais le lancer quand même. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est sur fait. Sur le principe. Sur le principe. Voilà. Et ben, du coup, je vais faire un petit très mystique hein, quand même. Bon, ça, là, c'est là ça passe. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Et je vais le dissiper. Voilà. Bon, c'est dissipé. Voilà. C'est beau. Sur le principe, c'est en mode, non, voilà. Quoi d'autre? Sinon, je n'ai pas plus que cela en termes de phase de héros, donc on va pouvoir se retrouver tranquillement ben, pour la phase de... Mouvement. De mouvement. Ça va être drôle. Ben, moi, je vais aller directement, tu sais quoi. Mais ouais, on se retrouve après. On se retrouve après. Ben, du coup, le petit résumé, bien comme il faut. Bizarrement, on s'est rapproché un peu plus pour avoir une dédicace avant que Nagash trépasse à ce niveau-là. Mmh. Sachant que, petite précision, au début de la phase de mouvement, je dois faire fouetter le Bullstalker sur l'unité de Korn pour lui donner justement la relance des blessures. Mais il faut volontairement que je sois à 8. Comme Nagash a un trop gros socle, je n'avais pas la relance d'Arcaon, donc je ne pourrais pas relancer. Bizarrement, ses blessures pour la tueuse de roi, mais je n'en aurais pas besoin. Le double 6 viendra naturellement à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, donc ils sont avancés de ce côté-ci. Encore une fois, plus sécuriser ce flanc-là pour l'instant. En phase de tir, les buveurs de sang ont infligé 4 BM en tout. 4 BM, ouais, c'est ça. Mmh. En retour, je me suis pris à chaque fois un point de vie sur mes buveurs. Et donc, finalement, t'en as perdu. J'ai perdu un point de vie. Voilà. Mmh. C'était simplement pour se saluer, on va dire ça comme ça. Et maintenant, la phase qui nous intéresse le plus, aïe. La phase de charge, sachant qu'avec tous les bonus, je vais me faire plaisir pour bien me mettre comme il faut, etc. Donc, le premier buveur de sang, mon petit Phobos. Alors, le petit Phobos fait un 8, plus un 9 avec l'aptitude d'allégeance, plus un non, du trait, enfin l'objet du seigneur de guerre. Non, l'artefact. Même pas, l'aptitude. L'aptitude. L'aptitude de l'allégeance. Plus 1 pour le fouettard à 12 pas, les cités de cornes. Bon, bref, tout ça pour dire que je peux me mettre ici. Aïe, aïe, aïe. Le tir de contre-charge de Nagash, en fait, c'est son cri d'horreur. C'est son cri d'horreur, mais je ne peux pas utiliser cette aptitude de commandement-là parce que je suis un Ossiarch Bone Reaper. Et ce ne sont pas des aptitudes de co que je peux utiliser. Ensuite, du coup, ben, mon petit Deimos. Qui fait une 8 plus 2, 10. Bon, voilà. Ben c'est parfait. Voilà, c'est juste, encore une fois, de laisser de la place. Voilà, on n'a plus besoin de le nommer là, tu vois, tu soupires déjà. Hop, là, alors, non, c'est toujours les ailes. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Franchement, si Nagash survit à deux Bloodthirsters et Arcaon, bon, Arcaon, c'est que c'est la personne à qui vous devez votre allégeance. Voilà, là, Arcaon, tu vois, c'est bien. Ouais, c'est, mais c'est bien, t'as fait tes double 6 maintenant. Oui. Tu fais tes double 6 maintenant, comme ça, c'est fait. Tu vois, c'est limite là, tu vois, t'as le spot là. Tu fais un John Cena, tu sautes dessus directement à ce niveau-là. C'est en mode. RKO, out c'est of poussez-moi, nowhere. Excusez-vous, tu vois, c'est juste ça. excusez-moi, il y a les ailes qui bloquent, excusez-moi. Il rate son entrée. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Oh, c'est parfait. Bon, ensuite, le reste des phases de charge. Alors, non, faut pas déconner. Là, le beau jeu, le beau spectacle. Hein. Ah, je ne cache pas que moi aussi, je suis comme ça, parce que si je rate tout, voilà, bien joué. Hein. C'était drôle. Mais en fin de phase de charge, on a des aptitudes monstrueuses. Tout à fait. Et comme c'est mon tour, je vais pouvoir à chaque fois choisir tous les monstres que je vais pouvoir faire. Et ensuite, ce sera à toi de choisir l'aptitude de monstre que tu veux faire. Alors, c'est très simple. Ici, avec mon petit buveur de sang tout à gauche, je vais te crier dessus pour éviter de te prendre des aptitudes de commandement. Oui. Voilà. Donc je ne pourrais pas qui est passée. Utiliser la simple aptitude de plus 1 en rend en Petrifex parce que ce serait la seule que je pourrais utiliser à la phase de combat.
Donc je vais t'empêcher d'utiliser une aptitude de Ko sur ton général. Oui, ça passe. Ça passe. Yes, yes. Ce sera peut-être une grappille, grappille. Bon, bah maintenant, on va pouvoir passer tranquillement aux phases de corps à corps. Alors, bon, maintenant, faut que je sorte tout ce que fait Archaon. Je te cache pas que je pourrais dire de garder le meilleur pour la fin, mais ouais. Là, c'est trop tentant. Hein. Ah, vas-y. Autant le faire vas-y. Directement. Allez, Nayash, Nayash. Voilà, c'est le moment de montrer que j'ai raison de croire en toi. Moi, je vais pas dire, mais sur le papier, déjà, Archaon, il a plus de victoires face à Nagash. Donc ouais, dire, mais ouais, non, mais ça c'est l'armure scénaristique, ça. C'est pas... Alors, déjà, la tueuse des rois a 4 attaques ouais. De base. Même si je suis en corne, je pourrais avoir des attaques supplémentaires, mais j'ai pas les persos pour. C'est pas forcément utile là-dessus. Sur du 3+, plus 1 pour te toucher, vu que j'ai fait mon action de monstre. Donc, ça sera sur du 2+. Ah, tiens. 3+ pour te blesser, sachant que du coup... 2-6 suffirait à me voilà, tuer. Je peux faire, j'ai un +1 pour blesser vu que c'est mon Nord de Loire, et comme je suis de corne, je relance les 1 pour toucher raté. Ah là 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 là. Donc déjà, je peux relancer moins. Voilà. Aïe aïe aïe. Tu les lances à part un. Je vais être grand seigneur. Est-ce que tu veux te rendre maintenant? Non. Oh, je vais lui laisser une chance, désolé. Naga, je vais survivre. Ah oui. Est-ce que je relance les 1 pour blesser, je ne sais pas. Non, parce que de toute façon, je n'ai pas fait mon le coup là du Blue Stalker. Okay. Donc, que je sache, non. Mais voilà. Tu étais trop loin de ton Blue Stalker. Bon. Quelle est la perforation sur ton... Moins 2. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en bouclier mystique. Donc, je passe à 2+. Je suis en orgue de gloire, donc je passe à 1+. Et j'ai aussi... Moins 2 à la reine, c'est ça, tout à fait. Je dégrade la reine de 1. Donc, en fait, c'est comme s'il avait une reine de moins 1. C'était ça, hein, tu avais moins 2. Oui, tout à fait. Donc, en fait, c'est comme si tu avais qu'une reine moins 1. Donc, je reste en sauvegarde à 2+. Reroll les as, parce que j'ai son aptitude de Ko depuis le début de ma phase de héros, enfin depuis la phase de héros de mon T1. Donc ce sera sur du 2+, reroll les as. Ça passe. Donc la tueuse de roi. Ah non, il y en avait 2, excuse-moi. La tueuse de roi. Comment tu l'insultes? Ne m'a rien fait. Voilà, la tueuse de roi ne m'a rien fait. Oui. Ah. Mais il y a le reste. Et le reste. Non, t'es pas obligé. Non, mais je vais assister. Non, il fera mieux après, ne t'en fais pas. Alors, déjà... J'ai vu le premier 6, je t'avoue, il y a eu la goutte. Non, mais on en reparlera si tu veux. On coupera au montage, au cas où. Alors, ensuite, les petits crocs. J'ai 2 attaques sur du 2+. Mm-hmm. Relançable pour le corne, voilà, le double 6. 2+. Tu as 2 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. Donc, 2 sauvegardes à moins 2. Je suis toujours en 3+, plus 1, plus 2... plus 3, reine moins 2, c'est ça? Tout à fait. Donc je suis toujours en 2+, reroll les as. C'est bon. Non mais un jour il fera des 1. Ensuite, la petite queue, j'ai 2-10 attaques, ça me fait 5 attaques. En fait, il lui faut une reine moins 3 pour que je passe à 3+, reroll les as. Sur du 3+, relance, oui, mais non. Ensuite, ce sera sur du 2. 4 save, normal. 4 save à 2+, relance les as. Et c'est là où tu perds des points, n'y perds pas. Ensuite, les 3 petites têtes. Je suis au profil maximum, donc j'ai donc 6 attaques. Mm-hmm. 2+, pour toucher. Relance les as. Non mais c'est bien, il touche, il blesse. Là, oui, il... c'est parfait. Pour l'instant, il fait son taf. Hein. Sur du 2+, tout passe, tout ça. Donc 6 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît. 6 sauvegardes, toujours en 2+, relance les as. Ah. Combien de dégâts, mon ami? 2. 2 dégâts, donc ça va me faire 2 wards à 6. Non, donc il a perdu en tout 3 PV. Je vais lui mettre son petit ton. C'était Archaon. C'était Archaon. Je vais attaquer, non pas sur ton général, parce qu'il n'utilise pas d'aptitude de Ko. Je vais attaquer sur notre ami juste à côté. Le frangin, ça marche. En pensant potentiellement à un T2 où je peux tuer son général. Donc nous allons passer sur une première attaque. En 3+, relance les as. Oui. Là, c'est du 2+. Oui. Mm-hmm. Donc là, c'est une perforation à moins 3. Tu n'as pas de sauvegarde, donc c'est des 6 dégâts. Merci. 3 dégâts. C'est pas mal, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Pour le moment. Mais il a perdu 4 PV pour l'instant. J'ai perdu 3 PV pour l'instant, mais je suis toujours à 6 attaques.
Nous sommes donc sur du 3 plus relance les as. Relance cet as là. Dommage. C'est pas grave, on grimpe. Avant j'avais fait 2 as qui relance as. Là je fais as qui relance 2. Ensuite là ça va être du 3 plus. Voilà. 3 plus, mais ça fait rien. C'est dommage. Et ensuite 6 attaques en 5 plus relance les as. Les 6 font des blessures mortelles. Ça fait 2 blessures mortelles. Et une touche à 4, rien du tout. Donc en tout, ouais, c'est pas folichon, quoi. C'est pas. Mais t'as fait ce que t'as pu. En même temps, t'as 3 fans surexcités qui te tombent dessus, c'est normal. Hein. Ouais, c'est pas ouf, quoi. On fait ce qu'on peut, hein, rassure-toi. Mm. Activation du buveur de sang qui s'est pris les tatanes de Nagash, hein, sans mourir. Hein. Mm-hmm. Alors. Il précise en plus sans mourir. Hein. Bien sûr. je relance. Ce sera sur du 3+ pour te blesser. Mm-hmm. Tu auras donc 3 saves à moins 2, s'il te plaît. 3 sauvegardes à moins 2, je reste en 2 plus relance les as, c'est parfait. Ceci. Et c'est toujours à toi d'attaquer, mon ami. Du coup, l'autre buveur de sang qui va montrer à son frangin comment on fait hein, pour essayer de buter Nagash. Donc, sur du 3 plus relançable, non mais pas besoin. Non mais quand c'est connu pour la touche, hein, pour la blessure, c'est ce manège qu'il faut voir a priori. Pour blesser sur du 2, vu qu'il n'y a pas eu 2 malus, donc tu auras 6 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 6 sauvegardes à 2, relance les as. C'est bon. C'est hardcore. Nagash, t'es un bon. T'es un bon, mon Nagash. Non, mais je lui fais croire qu'il va encore survivre, mais non, non, ça va rester comme ça. Donc, fin du tour de corps à corps, vu que je n'ai plus d'autres charges, etc. Bon, ben, que dire. Très belle charge, hein. Enfin, franchement, la charge est magnifique. Charge. Magnifique. Les blessures. Ouais, magnifique, hein. magnifique, voilà. Donc, par contre, ce qui se passe, c'est que de mon côté, ça se passe très mal, vu que je n'accomplis pas ma tactique de bataille, donc je n'ai pas 2 points par rapport à ça, et en plus si j'avais tué avec un monstre, j'aurais marqué un 3ème point c'est supplémentaire, ça. Donc au final je ne peux marquer que 2 points, vu que j'ai autant d'objectifs que toi, j'en ai 2. C'est ça. Voilà. Ah, écoute, moi ça me va. Ça me va. Pour le moment. Donc début de ma deuxième phase de héros, donc beaucoup de choses se sont passées pendant le tour 2, ça s'est plutôt bien passé pour moi, on va être honnête. Donc d'abord, il faut que je choisisse un objectif tactique, enfin un objectif auxiliaire, et je vais choisir du coup de tuer le monstre qui a déjà pris certains PV dans la tête. Voilà, donc il faut que je tue son monstre, et en plus de ça, je vais essayer de le faire avec Nagash pour avoir un point supplémentaire. Donc mise à mort. Donc mise à mort, c'est exactement ça. Et de l'autre côté, je vais automatiquement guérir les 3 PV de Nagash avec son aptitude d'Osak, enfin son aptitude de Warthrall, qui lui fait guérir 3 PV entièrement à 24 de lui. Donc il est full PV, pouf, ça c'est cool. En aptitude héroïque, en fait, j'ai pas grand chose qui me reste. J'ai déjà fait mon heure de gloire. J'ai pas besoin de dissiper un autre sort, j'ai pas besoin d'un point de commandement sur un 4+, et j'ai pas besoin de soigner qui que ce soit. T'as besoin de rien faire en fait. J'ai besoin de rien faire en fait, donc... Mais moi si, moi je vais surtout soigner le buveur de sang, qui c'est bon, on s'est pris pas mal de petits dégâts au fur et à mesure, donc moins de 10, c'est bon. Et il récupère un point de vie, voilà, c'est juste pour l'honneur. Il a perdu 5 PV, il a perdu 5 points de vie. Pas besoin de rappeler non plus. À partir de là, début de phase de héros, je vais faire plusieurs choses. Je vais utiliser un point de commandement pour utiliser l'aptitude de commandement, un point de discipline inflexible sur cette unité. Donc en fait, ils vont pouvoir voler, enfin ils vont pouvoir bouger comme s'ils volaient et relancer leur charge. Nagash va utiliser un point de discipline inflexible, donc il va m'en rester plus que 3 pour faire la relance des touches de 1, des sauvegardes de 1 et immunisation bravo, mais bon ça on s'en fout. Comment ça et de l'autre côté, on va commencer par passer des sorts. Alors pour passer les sorts, on va commencer tout d'abord par protection de Nagash pour avoir une ward à 5. Non, mais continue, tu vas faire le double 1, ça va là, c'est réglé. Pas de double as. Ça passe. Donc ce qu'il faut se rappeler, c'est que j'ai plus 3 de base, plus 1 avec le décor ésotérique. Donc j'ai fait pile 12. Donc il va falloir faire un 12 avec les dés de Monsieur Arcaron. Ou il te faudra un 10 avec ton Bloodthirster. Excusez-moi, là, il me regarde droit dans les yeux. Moi aussi, je peux vous regarder droit dans les yeux. Monsieur. Et je vais vous le faire. Vous savez quoi? Je vais vous le faire. Ah, il te faut un 11, tu n'as que plus 2, c'est ça? Pose-moi un 11 et un 12. Je vais prendre le 11. Et bah vas-y, je t'en prie. C'est la bonne décision. Merci.
Donc 5, mais non, ça ne marche pas. Donc Nagash va avoir une ward à 5, donc une protection à 5+. Et dès qu'il subira une attaque qui ne sera pas empêché, en fait, un PV qui ne sera pas empêché, et bah du coup il va pouvoir se téléporter, ça va être cool ça. Derrière, Nagash va se lancer son bouclier mystique, hein, comme ça on reste sur des bonnes bases. Là ça fait 11 plus 4, ça va faire 15. Tu peux essayer. Bon, attends, je m'assois, je te laisse faire, vas-y, ça me fait plaisir. De l'autre côté, Nagash va faire contrat fatal sur Archaon. On va quand même essayer de lui lancer un sort. Donc c'est simple, contrat fatal en fait, je cible une unité et quand cette unité va faire des dégâts à une unité Ossiarg Bone Reaper à chaque phase en fait, il va recevoir des 3 blessures mortelles à chaque fois qu'il fera à une phase des blessures à des Ossiarg Bone Reaper. Donc on lance le sort, ça fait 8 et 4, 12. Est-ce que tu veux le dissiper avec l'autre buveur de sang là aussi. Je t'en prie. En fait, pourquoi j'en lance les dés? C'est une bonne question. Ceci dit, Archaon ignore les effets des sorts sur un 4+. Oui. Donc, je te laisse faire ton 4+, pour voir si le sort passe quand même. Aïe, dommage. Bon. Donc là, j'ai fait 3 sorts. Je vais lancer, du coup, une tonne de traits mystiques. C'est parti. Le premier, ça passe sur du 10. Est-ce que tu me le dissipes? Il me reste 2 dissipations avec Archaon. Je pense qu'il y a mieux à dissiper pour l'instant. Et avec un 10, vas-y. Ça marche. Donc, ça fait un trait mystique. Le second, ça passe aussi. Ouais. Ok, donc ça fait 2 traits mystiques. Le troisième, ça passe aussi. Ça fait 3 traits mystiques. Il me reste encore 2 sorts. On est parti. Ça fait 4 traits mystiques. Alors, t'as fait. Ouais, non, j'aurais pas pu le dissiper. Et voilà. Le dernier sort qui va être. Et le dernier, bah, ça va être un autre traits mystiques. Non, je vais faire la main de poussière. La main de poussière, on va essayer. Ah, moi, j'essaie de tuer la tueuse des rois. Maintenant, tu peux essayer quand même. Hein. La main de poussière, allez, c'est parti. C'est sur du 8, donc ce sera sur du 4. Oui, ça fait 6 et 4, 10. Est-ce que monsieur. Archaon. Il n'essaie pas, il le fait. Ok, avec un plus 1. Oh bien vu. Il le fait. Donc ça fait pourquoi 4... il a pas fait ça avant. Donc ça fait 4 traits mystiques qui partent, enfin 4 traits mystiques. On ne se dévoilera pas qui, non. C'est non, ça. Entendu. Oui. Donc de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la phase de mouvement pour continuer de mettre la pression, sur mon adversaire, hein, sur du corneux. Ça va le faire. Donc du coup, nous sommes en début de phase de combat, mais on a trois phases à récapituler. Donc premièrement, la phase de mouvement. Début de phase de mouvement, j'ai fait 7 blessures mortelles avec les traits mystiques sur notre ami buveur de sang. Il lui reste 2 PV. Derrière, j'ai fait avancer mes Mortecs qui, derrière, en phase de charge, ont pu charger malgré la division par 2 des charges. Ces Mortecs-là se sont reculés, comme ça, si jamais les choses tournent mal là-bas, eh ben, on peut tout de suite, en fait... obliger Archaon à venir ici, ou alors à complètement ignorer cet objectif. Les Stalkers se sont mis juste à côté de nos amis Blood River, et ont chargé à 10 pour pouvoir justement aller impacter non seulement les Blood River, mais potentiellement Archaon, si Archaon fait des siennes, et pour potentiellement le bloquer un tour. Notre ami Gotizar a avancé, mais n'a pas tiré pour ne pas m'empêcher des charges stupidement. Ces messieurs-là ont avancé, mais devaient faire une charge à 9. Au final, ils n'ont pas pu la faire. Charge à 9, pourquoi? Parce que j'avais une charge à 5 fois 2, 10, moins 1, 9. Ici, c'était 4 fois 2, 8, mais moins 1, parce que j'ai plus 1 en charge, donc 7. Et le 7 avait été effectué. Du coup, nos chers amis stalkers vont pouvoir taper en phase de charge, en phase de combat. Notre cher Nagash pourra taper n'importe qui en phase de combat. Ce qui s'est passé pendant la fin de phase de charge, c'est que Nagash a tenté d'empêcher, de rugir sur le Bloodthirster, mais j'ai fait un 1. Et de l'autre côté, le Bloodthirster a rugi sur Nagash, il a fait 4, du coup, pas de potentiel à suivre. Du passé. C'est ça. Et voilà, donc on peut directement enchaîner sur la phase de combat. Et phase de combat, il va falloir que je répartisse mes attaques. Donc Nagash, il va mettre sa première attaque. Si je dis pas de bêtises, c'est à la canache, c'est bien ça, c'est son gros sceptre qu'il va mettre automatiquement sur le Bloodthirster en question. Il va mettre automatiquement. Okay. Il va mettre 2 de ses 6 attaques sur le même buveur de sang au cas où, 4 de ses 6 attaques sur le deuxième buveur de sang, et ensuite tout le reste des attaques sur le général, le même buveur de sang sur qui on a les 4 attaques. Donc on va pouvoir commencer. Alors la première attaque, on est sur du 3 plus, on est sur du 3 plus relance les as. C'est parti. Oui,
sachant que là tu le fais directement sur lui. C'est ça. Ensuite, sur du 2+, oui, c'est rend moins 3 dégâts D6. Je t'en prie. Donc sur un 2 ou plus. Et là c'est un 1. Ah, il fait un 1. Aïe. Voilà. Je me prépare pour annoncer le double 6 après, c'est pour ça. Et là, monsieur, nous avons 2 touches à 3+. Relance les as. Ça touche. 3+. Yes, c'est rend moins 3, dégâts 3. Notre ami est mort. Ça fait plaisir. Premier point de team de sang. Ça y est. Le premier mort de la partie. First blood sister. Yeah. Donc du coup, il reste 4 attaques de Zephet Neptar, l'attaque d'épée de Nagash. Donc ça va être toujours du 3+, relance les as. Allez, allez. Là, ça reste du 3+. Tout ça, c'est Ren moins 3, dégâts 3. Je vais activer le plus 1. Excuse-moi, c'est Ren moins 2, dégâts 3. Excuse-moi. Moins 2. Ouais. Quand même, j'ai quand même utilisé le point de commandement exprès pour lui faire plus 1 à la sauvegarde. Mm-hmm. Du coup, 4 sauvegardes, t'as moins 2. Oui. J'ai une sauvegarde à 4, sachant qu'il a son artefact de Belfoul qui donne plus 1. Mm-hmm. Plus 1 de nouveau avec le reste. Bon, là, j'ai que un bonus de plus 1. Voilà, ça fait 12 PV, monsieur. Non, ça fait 9 PV. 9 PV, j'allais dire. Attends, elle est là. Parfait. Mais il n'est pas. Pour l'instant. Il avait déjà pris 1 PV. Donc il reste 4 points de vie. Il reste 4 points de vie. Et là, les 6 dernières attaques de Nagash, mais ce n'est pas des attaques qui font beaucoup de dégâts. C'est du 5+, relance les as, et les 6 font des blessures mortelles. Heureusement qu'on relance les as. Alors ça va faire 3 qui touchent, 4+, une sauvegarde normale, sans perforation d'armure. C'est parfait. Voilà, pas besoin de parler. Yes. Mais au moins, on a rempli le job. Oui. On a rempli le job, on a pu tuer le monstre en question. Yep. C'est à toi, mon ami. Ça marche. Alors, bon, on est parti. On va se faire plaisir sur, bizarrement... différents choix, vu que Nagash, la menace, a été enlevée, il pourrait activer son unité là pour justement m'enlever des points de vie sur Archaon. Mm-hmm. Ça n'a pas forcément trop m'intéresser, autant que je fasse activer mes Blood Rivers soit ici, soit là. Mm-hmm. Sachant que sur un malentendu, je peux peut-être marquer peut-être plus de points de dîme de sang ici, là c'est 20 points de vie avec les relances, etc. Autant se faire plaisir là-dessus, on ne sait jamais. Donc, sur du 4+, c'est beau. Va. Sur du 4 plus. Ah, sous ouais. 4, excuse-moi, j'avais vu un 4 plus en moins. Oui. Voilà, aïe. C'était beau, c'était l'unité. Voilà. Parfait. Du coup, bien fort. Moi, je vais du coup taper avec nos chers amis les morts et gardes. Donc, il faut se rappeler, c'est du 3+, les 6 font 2 touches. Si. On va lancer ce dé-là. Parfait. C'est pas très beau. C'est pas très beau. Tu compenses avec les 6, j'ai envie de dire. C'est une petite compensation. Tu sais. Bon, tu sais, moi, un jour, j'ai essayé de Nagash, ça n'a pas fonctionné. Alors, hein, c'est bon. Sur du 4+, du coup, pour blesser, ça va faire 4 sauvegardes à Rennes-1, ceci dit. Mm-hmm. C'est très bien. 4 sauvegardes à Rennes-1. Voilà, c'est très bien. Voilà. C'est fait. C'est à toi. Donc, dégâts. Un dégât. Voilà. 4 morts. Ah, voilà. Donc, autant faire tranquillement les petits. Hop, en engagement, en essayant d'avoir le plus de personnes, ouais, la cohésion. J'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, je n'ai plus le chef. Donc de nouveau, sur du 4+. Voilà. On n'est pas très efficace sur les dés en ce moment, c'est pas ouf. Ah quoi, moi aussi, moi j'étais pas efficace. Ouais. Non mais, c'est pour ça, tu vois, je m'échauffe un peu et la bam. C'est bon. À toi d'activer. C'est à moi d'activer les stalkers. Yep. C'est parti. 4+, relance les as. Ah, mais c'est vrai, je pouvais relancer les as avec les morts et plus, pas grave. Donc, ça c'est bon. 3+. Ça te fait 3 sauvegardes à rend moins 2. Dégâts 2 chaque fois. C'est mon petit là. mais du coup, tu voulais pas justement bouger exprès pour avoir. Non, je le laisse là pour l'instant. Ça marche. Vu que ça n'as pas. Ça fait 6, c'est ça? Ça fait 6 dégâts. Oui. Tu n'es pas tombé dans le piège en faisant taper Archaon d'abord. Donc, ça te fait 6 morts pour l'instant. Et ensuite. Ça va faire 5 attaques en 3+, 3+. 3+, relance les as. 3+. Ça te fait
3 sauvegardes à reine moins 1, dégâts 1. Donc, tu parles d'une reine pour eux? Oui, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, combien 3 morts. Vous êtes sympa, dis donc. Alors, on est reparti pour les 6 attaques du buveur de sang. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6. Je touche sur du 3, mais je relance vu que tu es un monstre, ou un héros, façon qu'importe. Ensuite, vu tout mon profil dégressif, ce sera sur du 4. Voilà, c'est beau, c'est merveilleux. Donc 2 sauvegardes à reine de combien? Moins 2. Reine moins 2, donc là je passe ceci dit à 3 plus, relance les as. Yes, combien de dégâts? Alors, c'est des 3 à chaque fois. Donc... Ok, un seul. Donc sur du 6, je l'ignore. Et je l'ignore, c'est beau, c'est beau. Tu vois l'intérieur. Donc, on est reparti. Voilà, 4 attaques de la tueuse des rois. J'ai un bonus de plus 1 pour te toucher. De toute façon, il touche sur du 2 plus, hein, voilà. Ok. Et maintenant, on l'attend avec impatience. Yes. Mais ça fait quand même 3 sèves en effet, à moins 2 s'il te plaît. Donc 3 sauvegardes à reine moins 2, donc 3 sauvegardes en 3 plus, relance les as. Oui. Je fais exprès qu'il se téléporte pas. Ensuite, voyons voir les 2 attaques de crocs, 2 touches. Une de blessure, à moins 2 s'il te plaît. 3 plus, relance les as. Ah, relance comme les as. Radar. Combien de dégâts? Des 6. Aïe. Bah, décidément, 2. Donc je vais utiliser toujours le ward à 6. Hop, donc je perds 2 PV. Et on verra à la fin. On verra. Alors, 2 D6 attaques, ça lui fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 6, 7. Sur du 3. Ensuite, sur du 3 de nouveau. Pas de rend, donc tu as 4 saves normal. 4 saves normal, donc 2 plus, relance les as. Relance les as, c'est bon. Voilà. Et ensuite, les 3 petites têtes. Elles sont pas si petites que ça. C'est relatif. Ouais. Pas besoin de compenser pour la tête. Heureusement que j'ai un plus 1 pour toucher, parce que là, sinon, c'est horrible. Hein. Ça ne se lâche pas. C'est vrai que ça reste un peu blessé. Bah voilà le double 6. En fait, il faut que j'ai plus d'attaque en fait. C'est le secret. Bah si, ça regarde à moins 1 s'il te plaît, encore une fois, ce sont les têtes qui te font des dégâts. Donc sur du 2 plus toujours, relance les as. Relance les as. Ah, combien de dégâts? 2 dégâts s'il te plaît. Donc 2 Feel No Pain à 6, du coup je suis obligé de les faire. Donc j'ai perdu 4 PV en tout. Ça marche. Et je vais pouvoir bouger Nagash. On va le mettre là, voilà. On va pas se casser les bonbons. De toute façon, c'est pas comme si il y avait un autre tour derrière. Parfait, bien sûr. du coup, c'était ton tour. C'est ça, donc... Phase de déroute. Phase de déroute, tu en as perdu 4 ici. 4 ici. Aïe, 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 aïe. Oh là là, j'en ai perdu beaucoup, décidément. Alors, j'en ai perdu 4. J'ai une bravoure de 5, si je ne m'abuse, plus avec la, avec la bannière. Je n'ai plus de bannière, quel dommage. Donc techniquement, je vais en perdre 5. Et bah du coup, en effet, je vais dépenser mon pont de commandement pour éviter la déroute et au moins essayer de conserver l'objectif. C'est ça. Et du coup, bah fin de la phase de bravoure et on peut direct aller sur les objectifs, enfin sur les points marqués. Oui. J'ai tué le Bloodthirster que je visais, donc ça va me faire 2 points plus 1 parce que je l'ai tué avec un monstre, donc ça va me faire 3 points. Et j'ai gagné 2 points grâce aux 2 objectifs que j'ai, donc ça va me refaire 5 points. Et en plus, la fin du round 2, tu as tué un monstre dans le round de Gour. Oui, c'est vrai. Ça fait un sixième point. Fait un sixième point, excusez-moi. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on tue un monstre, lors du round, on marque un point supplémentaire. C'est ça. Et ben maintenant, on va passer au tour 3. Et du coup, on va passer à l'initiative du tour 3. Initiative qui... Encore une fois... qui va beaucoup, beaucoup changer la donne. Peut-être, en fait, je t'en prie. Alors, c'est parti pour la première. C'est un 3. C'est pas mal. C'est un 6. Que fais-tu? Je vais prendre l'initiative. Alors, si tu prends l'initiative, de ce fait, je vais gagner un cinquième point de discipline inflexible en plus. Tout à fait. Et en plus de ça, je vais supprimer un de tes objectifs. Et je ne peux supprimer que soit celui-là, soit celui-là.
Et je vais bien évidemment supprimer celui-là. On va du coup enlever ce petit machin. Eh oui. À toi. Eh oui, alors, c'est très simple, début de mon tour. Archaon est présent sur le champ de bataille, ça m'en fait un. Mon général buveur de sang est toujours présent, ça m'en fait deux. Mmh. C'est mon T3, donc pour l'instant j'ai 3 points de commandement, ce qui est déjà pas mal. En termes de tactique de bataille, bon, l'objectif là ne m'intéresse plus. Alors, après mûre réflexion, ma tactique de bataille pour ce tour-ci sera faire de lance sauvage, donc ramener au moins 2 unités dans le territoire adverse, et je marque des points supplémentaires si je le fais avec les monstres, donc là bizarrement, vu qu'il n'y a plus de Nagash, bah, autant aller un peu sur son territoire. En termes de phase des héros, alors, je vais déjà, en action héroïque, plus important, je vais soit tenter de soigner le buveur de sang, soit faire gagner un point de commandement avec le prince démon, là, autant faire en sorte de gagner un peu plus de points de vie avec le prince démon. Donc, moins de 10, c'est bon. Pour regagner des 3 blessures, un point de vie. Je vais faire de même avec Nagash qui a perdu 4 PV. Donc, sur un 10 ou moins, bah, c'est parfait. Il va récupérer des 3, 2. Donc, il a perdu plus que 2 PV. Parfait. Donc, ensuite, reste de la phase des héros. Je n'ai pas vraiment grand chose à faire puisque là pour l'instant il n'y a qu'une seule unité de morte, comme par hasard c'était mon buveur, donc la dîme de sang ne s'active qu'à partir de 2, enfin à un point de commande de dîme de sang je peux avoir un point de commande supplémentaire, ça m'intéresse pas, et la vocation c'est à partir de 2, donc là voilà, phase des héros, bah voilà, il n'y a plus grand chose à faire au fur et à mesure. Si je petit sort à lancer. Ah si, j'ai quand même le point de commandement que je vais enlever quand même pour le prince démon, pour faire en sorte qu'il ait toujours l'aura à 18 pas pour te diviser tes courses, tes charges par deux. Donc tu voilà. Utilises un point de commandement. C'est okay. La même. Et sinon, bah voilà, la fin de la phase des héros. Et on se retrouve après pour la suite de la phase de mouvement, phase de tir, etc. etc. Voilà. Alors, petit résumé de ce tour. Eh bien, j'ai fait sprinter mon buveur de sang pour qu'il prenne possession de la tour et surtout pour qu'il aille dans le territoire de Miladine. Ensuite, Arcan a avancé, surtout, il n'a pas couru exprès. Pendant ce temps-là, le petit prince démon a de nouveau fait un redéploiement stratégique, hein, pour ne pas dire la fuite. Ici, ben, les Blood River attendent patiemment l'arrivée du reste de l'armée Orsiark. Hein. Et sinon, phase de tir, voilà, c'était du corps, voilà, bien joué. Et maintenant, phase de charge. Et là, par contre, en charge, j'en ai une, j'ai celle de Darkaon, qui a une charge à 9 à faire. Aïe, sur tes cercles là-bas. Sachant que, entre-temps, mon petit Bloodstalker a eu l'occasion de le fouetter, donc j'ai un bonus de plus 3 à la charge pour pouvoir le faire. Si j'avais été à 12 pas, j'aurais encore eu un bonus de plus 1. Bon, c'est pas le cas, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Donc, c'était à 9. Moins 3, c'est une charge à 6. Sachant que j'ai moins de points que toi, je peux utiliser mon triomphe pour relancer une charge ratée. Ou utiliser un point de commandement, mais on va voir le point de commandement si j'en ai vraiment besoin. Aïe, une charge à 9 plus 3, 12. Bon bah. Alors, ensuite, je n'ai plus d'autres charges à faire, puisque là, l'intérêt, je ne vais pas envoyer un buveur de sang exprès chargé des stalkers exprès pour se reprendre des points de vie en moins, et non, hein, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Du coup, en termes d'autres charges, il n'y en a pas. Action de furie monstrueuse pour mon petit Archaon. Alors, je pourrais piétiner pour lui faire des 3 blessures mortelles, mais là je vais faire en sorte que tu n'aies pas de ordre à recevoir sur ton unité. Donc pas de relance des sauvegardes. Voilà. Aïe, ça passe en plus. Non mais faut que je montre quand même Archaon, il sert dans la partie, à la fin. Donc ça c'était les charges, hein, c'est bien beau, c'est magnifique. En termes de corps à corps, de disponible de mon côté, j'ai une figurine ici, j'ai une figurine là, j'ai une là. À chaque fois j'en ai qu'une, mais ce qui va m'intéresser le plus, vu que bah, de ces côtés-ci, peut-être limite faire un point de vie, etc. Archaon, je grand pas grand chose, mais bon, là, ça ne changera rien vu toutes les relances qu'il peut avoir, etc. Ça va être Archaon qui va être activé le premier. Alors, c'est parti. Sachant que cette fois-ci, j'aurai le bonus des blessures relançables. Et la tueuse de roi ne fera rien. Pardon.
C'est bon, t'as fini. Est-ce que tu le sens que tu vas lui faire le double 6? Ah, bien sûr. Sachant qu'il me reste 2 points de commandement, je pourrais en utiliser un pour faire plus 1 à la touche. Ça m'intéresse pas plus que cela. Encore que je vais juste regarder en vitesse. Bon, allez, si. Plus 1 à la touche. Donc, j'ai 1 point de commandement. Exprès pour ça, comme ça vraiment je m'assure peut-être de reprendre l'objectif juste après. Donc, la tueuse de roi, elle a bien nommé. Je relance les 1 pour toucher raté vu que je suis un démon de corne. Ah, t'as pas fait de double 6. Attends, c'est maintenant. Ah oui, c'est... Alors, je blesse sur du 3, heureusement que j'ai fouetté. Voilà, heureusement que j'ai fouetté. Une save à moins 2, s'il te plaît. Sauvegarde à moins 2, mais tu passes à moins 1 parce que je dégraisse la reine de 1, donc ce sera une sauvegarde à 5. Non. 3 dégâts, s'il te plaît. 3 ward à 6, ça va me faire 3 morts. La tueuse des rois fait quelque chose. 2 et 3. Aïe, aïe, aïe. En fait, il faut la chauffer cette épée, hein. C'est pas possible. Hein. Ouais. Si j'avais su. Ensuite, 2 attaques. Alors, qui touche, qui baisse sur du 3. Relançable. Parfait, tu auras donc 2 save à moins 2, s'il te plaît. Donc, toujours qui repasse à moins 1, donc ce sera toujours sur du 5. Ouh, c'est beau. Des 6 dégâts à chaque fois. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est bien, c'est beau, c'est aussi. Ok, c'est beau. 10 attaques de ce côté-ci sur du 4 plus 3 plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relançable D1. On est sur du 3, du coup, puisque j'ai utilisé mon point de commandement pour pouvoir le faire. Ça passe sur du 3 plus. Relançable. Comme quoi, il n'y a que elle qui fait les 6 à gogo. Donc, tu auras 4, 8 save normal. 8 sauvegarde normal. Donc, ce sera sur du 4. Ça va me faire 1, 2, 3. Bah, c'est parfaitement stat. 4, Fino Pain à 6. Oula! Ouf! Du coup, bah, il va m'en rester 2 morts, donc on va dire que je vais enlever ces deux-là. Il va m'en rester pile 5. Mais je n'ai pas fini. Aïe, aïe, aïe. Faut et pas oui, finir. Il y a des têtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, sur du 2. Ensuite, sur du 3+. Relançable. Ouh là là. Donc, tu auras 5 sauvegardes à faire à moins 1, s'il te plaît. 5 sauvegardes à moins 1, mais je reste, mais je te fais passer à 0. Donc, du coup, ce sera sur du 4+. Et donc, tu auras 2 dégâts. Donc, 2 sauvegardes à faire. 2 ward à 6. Merci beaucoup mort. De me passer l'objectif. Oui, j'ai eu chaud aussi. C'était calculé. Tout était calculé. Du coup, je vais attaquer avec cette unité de Mortec. En 3+, relance les as. Non. Et 4+, allez, on va lui faire le PV de la honte, même pas. Même pas. Et donc, après avoir fait justement l'activation d'Arcaron qui a pris une contre-attaque qui n'a rien fait, autant faire quelque chose de mon côté. Et je ne vous cache pas qu'entre perdre une figurine ici qui peut être ressuscitée par Nagash et ici perdre un point de vie, je ne vous cache pas qu'autant commencer un peu de ce côté-là. D'accord. Le point de vie. Okay. Tel quel. De toute façon, eux, ils relancent leur sauvegarde, de toute façon. Donc, bon. Cite-moi une figurine qui ne relance pas une sauvegarde de ton côté. Pour l'instant, eux ne relancent pas les sauvegardes, pour l'instant, enfin, parce que je ne l'ai pas fait en début de phase de combat et que j'en ai pas forcément besoin. Ils se moquent de moi en plus. Oui. Alors, 2 attaques pour le champion. Avec respect. Oui, toujours avec respect, distance, tout ça. Alors, 4 plus pour toucher. Ce n'est pas un démon, il ne relance pas les 1 pour blesser, pour toucher. Ensuite, voilà, il ne relance pas les 1 pour blesser. Voilà, c'est l'activation. Et ben nous allons attaquer avec ces messieurs. Là où ça va être important, en fait, c'est de voir comment je vais pouvoir m'engager pour ensuite, à mon tour, aller vers cet objectif-là. Donc, nous allons tout simplement arriver juste ici. Continuer notre route comme ça. Parfait. Vous avez vu la petite death, hein, voilà. C'est honneur à Nagash. Derrière tout ça, ça va suivre. Comme ça, tout le monde est content. On se rapproche de l'objectif. Ça fait un peu comme la communauté de l'anneau. C'est à tous les Uruk-hai qui ignorent Boromir. Et après, t'as l'heure. Ça. Alors, voilà. Oula. Allez, reste en place, petit. Voilà, c'est beau. Ça, c'est beau. On est parti pour du 3+. Relance les as. C'est parfait. Ça va me faire 2 touches en plus. Avec les 6 qui font 2 touches. Et on est parti pour du 4+.
Eh bien, tu as tout ça de sauvegarde à Rennes-1. Tu es mort, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois. Non, attends, à ce niveau-là, c'est plus AOS, c'est pique pirate, là. En fait, tu sais, tu mets toutes les épées et pouf, t'as la tête qui saute. C'est voilà, ça, c'est ça. C'est ça. Alors, le pire, c'est que quand il en restait un, j'ai tué l'équivalent de 11 personnes. Et quand ils étaient 10, j'en ai tué que 4. Voilà. Non, mais c'est beau. Moi, ça me fait un point de dîme de sang. Je te remercie. Il n'y a aucun souci. Ça me fait plaisir. Voilà. Tant que la dîme de sang, tu l'as pas pris de Nagash parce qu'il n'y a pas de sang à revendre. Moi, ça me va. Et du coup, je vais finir par attaquer avec ces messieurs. Tu sais que ça se paiera à un moment donné, hein. Non. Mais moi, enfin, on ne sait jamais. Hein. Mais non. Donc, ça va faire tout d'abord 3 premières attaques en 3+, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est du 4+, donc du coup, ça marche pas. Ah non, mais tout de suite, je vais faire un effort et toi, t'en fais pas. Non. Par contre, ça va faire 10 attaques. Alors, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ce sera du 3+, relance les as. Il n'y a pas d'as. Et ensuite, du 3+. Et voilà, je pense qu'il est mort. Il est mort 5 fois de suite. C'est Rennes-1 dégâts. Ouais. Mais un troisième point de dîme de sang, merci beaucoup. Mais il n'y a aucun souci. Mais bref, dans tous les cas, fin de mon tour 3, ma tactique de bataille est réussie, puisque j'ai au moins 2 unités dans ton territoire, sachant qu'en plus ce sont 2 monstres, ça me fait donc un troisième point supplémentaire de marquer. Ensuite, j'ai un objectif, 4, j'ai un cinquième là-bas, et en plus j'en ai plus que toi, ça me fait 6 points au total. Aïe, aïe, aïe. Ça me permet de revenir, recoller un peu au score, ça, là, c'est vraiment pour l'honneur, mais au moins ça fait plaisir, c'est pour l'honneur de camp. C'est vrai. Du coup, on va pouvoir passer au tour 3 de Miladin. Donc, début de ma phase des héros, il va falloir d'abord que je choisisse un objectif auxiliaire. Donc, cet objectif, ça va être monstre accapareur. Tout simplement, je vais dire que mon Gothizar va rester sur cet objectif et qu'il ne sera contesté par aucun autre monstre. C'est l'objectif qui me semble le plus facile et qui va me permettre, en fait, de gagner du temps, le temps que je puisse accomplir d'autres objectifs tactiques pour les 2 tours restants. Derrière, en aptitude héroïque, je vais pas faire grand chose parce que de toute façon, Nagash va se guérir ici. Du coup, je vais pas faire d'aptitude héroïque. Moi, de mon côté, je vais surtout essayer de soigner le buveur de sang. Le buveur de sang. Donc, moins de 10. Réussi pour des 3 PV. 2 PV. 2 PV. Et du coup, on va partir sur des aptitudes de co à utiliser en début de phase de héros. Donc, ces messieurs-là, il me reste 5 points de commandement. Donc, ces messieurs-là vont en utiliser un, enfin, point de discipline inflexible, pour pouvoir voler et relancer les charges. De l'autre côté, Nagash va utiliser son point de commandement pour relancer les jets de touche de 1 et les sauvegardes de 1 pour toute l'armée. Et ensuite, on va passer au sort. Sachant qu'entre parenthèses, vu que c'est ton tour, à mon tour, j'ai toujours mon général en vie, je gagne un point de commandement supplémentaire. Voilà. Du coup, on reprend, on va passer sur les sorts de la phase de héros. On va commencer avec protection de Nagash. Donc maintenant, Nagash n'a que plus 3 pour lancer ses sorts. Il va quand même essayer de le lancer. Excusez du peu, hein, quand même. Donc là, j'ai fait 11. 11 plus 3, ça fait 14. Ouais, ça fait 14. Et surtout, depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que je suis à portée maintenant de d'Arcanon exprès pour ça va être compliqué. Enfin, de Nagash, mais non. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, du coup, Nagash a une protection de 5. Et si jamais sa protection ne marche pas pour une blessure mortelle, on va tout simplement téléporter Nagash une fois que les blessures ont fini d'être allouées. Ça, ouais, c'est cool. C'est bon, on connaît la téléportation. Yes. Un bouclier mystique, parce que ça marche toujours. Hein. Donc 9, 9 et 4, ça fait 13. Donc un bouclier mystique toujours sur le monsieur. Ah oui, j'avais oublié de guérir le petit Nagash de ses 3 points directs. Oui. Ensuite, très mystique. Hein. On va y aller. Très mystique. Le premier... ça passe sur du 4 et 3, 7. Donc ça en fait 1. Vas-y, fais ton plaisir. J'attends le double 1 en fait. Là. Okay. Donc là, j'ai fait plaisir. Protection avec bouclier mystique. Là, on va passer. J'ai fait un trimystique. Donc là, il me reste encore 5 sorts. Donc on va faire un deuxième trimystique. Ça passe, donc ça m'en fait 2. Un troisième trimystique. Ça passe toujours. Un quatrième trimystique. Ça passe toujours. Un cinquième trimystique.
Oui, et un sixième trait mystique. Oui. Du coup, ça va faire six traits mystiques. C'est joli sur le papier. Ça va être drôle. C'est joli. On va passer à la phase de mouvement. Et on vous retrouvera juste après. Du coup, on se retrouve à la fin du tour complet. On n'a même pas besoin d'aller à la fin du mouvement ou quoi que ce soit. On se retrouve à la fin du tour complet pour vous dire tout ce qui s'est passé. C'est allé très vite. J'ai fait ma phase de mouvement. Tout d'abord, ces petits-là se sont désengagés parce que, bon, ils n'ont pas peur de Archaon, mais ils ont quand même envie de garder... ils ont quand même envie de garder un peu d'unité. Un peu d'unité. Il a fallu faire une course à 4 pour aller chercher l'objectif tout en volant. Ah, fait une course à 3. Bon, ça arrive, c'est comme ça. Donc, il se prépare potentiellement pour un double tour T4 pour reprendre l'objectif. Ici, j'ai fait avancer du coup mon Gothizar pour qu'il puisse rester sur l'Ojo et potentiellement aller accéder à la zone de déploiement adverse. Nagash, il s'est dit qu'il en avait marre de voir les gens un peu plus au-dessus de lui. Du coup, il a fait de même que le buveur de sang. Et de l'autre côté, du coup, on a avancé avec nos chers amis les Mortec Guard. Alors, au départ, c'était eux que j'avais fait avancer sans les faire courir. Du coup, il a fait reculer. Il a fait un redéploiement avec son prince démon pour que la charge soit encore plus compliquée vu que son prince démon était bien à côté. Cependant, ça ne m'empêchera pas de prendre l'objectif. Donc, au final, on a pu un peu redéployer les forces sur la table. Et je vais du coup gagner un point pour cet objectif ici, un deuxième point pour cet objectif là, un troisième point parce que j'ai plus d'objectifs que mon adversaire, et deux points parce que j'ai accompli mon objectif tactique qui était monstre accapareur. Donc, avoir du coup le Gothizar qui prend cet objectif et il n'y a pas de monstre adverse. Dans les 6 pas de cet objectif, donc pour un total de 5 points. Bouge pas, j'arrive. Pour un total de 5 points. Yep. Du coup, on peut passer au tour... Tour 4. On va passer au tour 4 déjà. Et c'est parti pour l'initiative du tour 4. Un beau 4, c'est bien. Vas-y. Un beau 5, encore mieux. Alors, du coup... Je vais prendre l'initiative, hein, autant rester dans cette optique-là. Hein. Yes. Sachant que ma tactique de bataille, ça va être briseur de ligne, justement, pour te tuer une ligne. Ah. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te le montrer? Pour toi, non, mais pour les bien autres, évidemment oui. Que oui, c'est cette ligne qu'il va falloir tuer. Oui, bien sûr, regarde à ta droite, ce sera mieux pour nous tous. Je vois pas la droite. Ouais. Je vois qu'il y a des gens ici, par là. Je t'apprendrai tout à l'heure. Donc, je vais tenter de briser une ligne, donc celle-ci, je la désigne. Et comme... J'ai surtout des monstres. Si je le tue, cette ligne avec un monstre, si je la tue, cette ligne avec un monstre, c'est un point supplémentaire. Un point supplémentaire. Donc, oui, comme je suis un peu en retard au niveau des points, justement, autant grappiller le plus possible. C'est bien ça. Et moi, de l'autre côté, je vais gagner 2 points de discipline inflexible. Tout à fait. Un troisième point, et je vais toujours lancer 6 dés pour savoir combien de points de discipline inflexible. Ça va faire 5 points en tout. Non, mais t'es habitué à ce niveau-là, c'est bien beau. Moi, de mon côté, c'est mon tour, j'ai un point. J'ai mon général en vie, j'ai un point. Archaon est en vie, c'est un troisième point. Je suis toujours là, non, ça marche pas. Ça me fait 3 points de commandement. Sachant que là, je vais peut-être surtout essayer de rester tel quel. J'ai pas envie de gagner un point de commandement supplémentaire par-ci, par-là. Vu que je vais essayer de soigner le buveur de sang ici présent en termes d'action héroïque pour le remettre à de meilleures circonstances pour aller après chasser d'autres unités et potentiellement aller voir d'autres objectifs. On verra bien comment ça se passe. Donc c'est parti, hein, soin du buveur de sang. C'est réussi pour 3 points de vie. Ah, moi, en action héroïque, je n'ai rien à faire parce que j'ai rien à faire. Voilà. C'est bien, c'est bien. Il faut le reconnaître. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est rien. C'est rien. Voilà. Ensuite, du coup, phase des héros, de manière classique. Bon, encore une fois, le prince démon va dépenser son point de commandement pour faire en sorte une fois la bulle des... Il n'est pas obligé. Ouais, ça, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Mais il va le faire quand même. Ah, d'accord. Parce qu'il a envie. Oh, c'est pas très généreux. Tu sais, on en reparlera. Je te donne une bataille, hein, déjà. C'est pas pour rien qu'il s'appelle Ursaf, tu vois. Il y a des limites à la gentillesse, hein, tout ça, tout ça. Ensuite, phase des restes des héros. J'ai 3 points de dîme de sang. Donc, soit je peux invoquer des sanguinaires, je peux invoquer des chiens de corne, si je ne m'abuse. Et surtout, à partir de là, je peux dissiper soit un sort automatiquement ou faire en sorte de choisir une unité qui peut avancer
à ta phase des héros, à ma phase des héros. Pour l'instant, je vais le laisser tel quel, B3 points de digne de sang. Donc en fait, la phase des héros est terminée. Donc on va pouvoir passer du coup à la suite, phase de mouvement, tir, etc. etc. On se retrouve juste après. Yes. Alors, pour résumer un peu ce qui s'est passé, en termes de phase de mouvement, je me suis éloigné de l'objectif ici, vu que je ne pourrais plus le contrôler jusqu'à très longtemps. De ce côté-ci, le buveur de sang avait sprinté et a chargé juste après la phase de charge. Le prince démon a laissé tranquillement ce côté-ci pour aller vraiment s'occuper des stalkers. Archaon, lui, n'a pas bougé, vu qu'il était déjà bien à portée pour tenter la charge, sachant que ensuite le blue stalker lui donnait un bonus en plus. J'ai pas besoin de bouger pour me avoir un redéploiement que tu ne peux pas faire, mais quand même, sur le papier, autant que je m'y habitue un peu. En termes de phase de tir, les insultes ont fusé, ça, il n'y a pas de problème dessus. Et bah, après, voilà, le résultat de la phase des charges. C'était pas poli. Comme d'habitude, hein, pas déconner non plus. Du coup, les furies monstrueuses, sachant que j'ai eu deux monstres, le prince démon ne compte pas comme un monstre, je vais pouvoir les activer. Donc, tout d'abord, je vais faire en sorte de faire en sorte justement que tes cercles là-bas n'ont pas de point de commandement à utiliser. Donc sur du 3+, c'est réussi. Aïe. Ensuite, mon buveur de sang ici présent, lui va te hurler dessus. Oh. Pour te faire justement des blessures mortelles. Un piétinement du coup. Petit piétinement hein, qui passe. Des 3 blessures mortelles, c'est ça? Tout à fait. Une blessure mortelle. Donc sur du 6. Donc voilà. Je perds un point de vie sur les stalkers. Ce n'est qu'un début. Oui. Ensuite, on va pouvoir passer justement à l'activation des différents corps à corps. Donc là, j'ai le choix entre faire taper Archaon, le buveur de sang ou le prince démon. Mais le prince démon, c'est sa règle, tape au début de la phase de corps à corps. Et ensuite, je pourrai choisir quelles sont les figurines que je vais pouvoir utiliser. Donc tout d'abord, c'est le prince démon. Je fais relancer les jets de sauvegarde pour mes stalkers, mais pas avec le prince démon, car il attaque avant que je donne ma capacité. Voilà. Alors, 3 attaques, vu qu'il a sa hache, sur du 3+. Aïe. Mais, comme il a chargé, il a plus 1 pour toucher. Aïe. Et c'est un démon de corde. Il non. relance les 1 pour toucher. Ah, voilà. Ouais. Jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, 3+ pour blesser. Une blessure, une save à moins 2, s'il te plaît. Une save à moins 2, donc ce sera une save à moins 1, parce que je te fais dégraisser la reine de 1. Et du coup, ce sera une save à 5. Non. Tu prends 2 points de vie. Ça fera 2 wards à 6. C'est 4 points de vie, du coup, il m'en reste 1 à 1 point de vie. Tout à fait. Donc maintenant que j'ai fait activer la hache, pour l'instant, je vais activer maintenant les petits Malefic Talents. Donc 3 attaques sur du 3+, sur du 2 puisque j'ai chargé, mais ça suffit. 3+ pour blesser, je fais 2 sauvegardes sans rend. Donc 2 sauvegardes sans rend sur du 4. J'en sauvegarde une. Tu as 2 dégâts. 2 dégâts, 2 ward à 6. Non, ça va me faire 2 PV, donc 1 mort. Et 1 qui aura perdu 1 PV. Ensuite, activation en phase classique, je vais justement activer mon buveur de sang. Et là, je vais pouvoir relancer les jets de sauvegarde. Exactement. Alors, le petit buveur. Un seul suffit. Ce sera sur du 4. Aïe. Ah non, sur du 3, pardon, excuse-moi. Donc, quand même, 2 save à moins 2, s'il te plaît. Donc, 2 save à moins 1, car je te fais dégraisser la reine de 1. Donc, 2 save à 5, relançable. Relançable. Oui. Des 3 dégâts. Je t'en prie. Un dégât. Une ward à 6. Non, donc j'en ai un qui a 2 PV restants. Eh bien, du coup, je vais commencer par faire le dernier hola de nos amis Mortek. Donc ça va faire 8 attaques. 3+, relance les As. Relance les As. Yes. Je vais en garder un des deux parce que j'ai un 6 de touche. On va partir sur du 4+. Eh bien écoute, ça va te faire 5 sauvegardes à moins 1. Tout à fait, sachant qu'à la phase des héros, je n'ai pas fait justement mes petits sorts, donc j'ai une save à 3 qui passe à 4. Yes. Donc tu m'as dit 5, hein, c'est ça? C'est ça. J'ai le PV de la honte. PV de la honte. Donc les 4 attaques de tueuse des rois sur du 2+. Pas besoin de relancer. Sur du 3+. Aïe. Aïe. Et je l'ai pas fouetté. Non, parce qu'il était vachement loin. Mais en même temps, tu fouettes pas Archaon. Tu lui suggères potentiellement. Tu
je le suggère un peu. Donc une save à moins 2, s'il te plaît. Alors, qui passera à moins 1, et du coup, ce sera sur du 5. Oui ! Aïe, 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 aïe. Oui, vous êtes là, les gars ! Pour l'instant. Ensuite, deux attaques sur du 2+, sur du 3+, une save à moins 2, s'il te plaît. Qui repasse à moins 1, et ce sera sur du 5. Ça va. Voilà, ça va, il n'y a pas de drame. J'ai réussi à amortir la chute. Alors, du coup, ça fait des 6 dégâts. C'est parti. 6 dégâts. Ouf. Aïe, 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 aïe. Alors, ça va faire 6 wards à 6. Ah, ils sont tous morts. Ah, ils sont tous morts. Ah là là. Un point de dit de sang bien mérité. Je vais tapouiller. Et je vais utiliser un point de dîme de sang, donc il va m'en rester un point de dîme de sang, oula. Je vais utiliser un point de discipline inflexible, donc il va m'en rester 4, et je vais tout mettre sur ton buveur de sang, et comme ça j'aurai, avec le point de discipline, je vais en fait avoir plus 1 en raid. Donc là la première, ça va être 3 attaques en 4+, relance les as. Ok. Là, ça va être du 3+. C'est du reine combien, à peu près? De base, c'est reine moins 2, c'est moins le 2. Champion qui tape. D'accord. Mais là, ça va passer reine moins 3. Ça marche. Du coup, j'ai utilisé un point de commandement pour dépenser un point, ben, pour faire la puissance. Ouais, puissance. Ça marche. 3+. Donc là, ça va te faire une sauvegarde à reine moins 3. Reine moins 3, du coup, je passe à reine moins 2. Donc du coup, ça me fait une sauvegarde à 5. Ah oui, sauvegarde à 5, excuse-moi, parce que tu as ton artefact. Et oui. Or oh. Et derrière, on va passer à 4 attaques. En 5 attaques, excuse-moi, en 3+, relance les as. On relance les as, c'est parfait. En 3+, c'est parfait. Donc tout ça, c'est reine moins 2. Bien sûr, j'arrive, ne bouge pas. Avec quand même la carcaron. Ah, voilà. C'est combien de points de vie? C'est un dégât chacun. Donc, 4 points de vie en moins. 4 points de vie en moins. Et du coup, bah, fin de la phase de combat, phase de bravoure. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien eu. Ceci dit, tu gagnes un point pour cet objectif. Un point ici. Un point parce que tu as... Deux points parce que tu as tué une battle line. Et un troisième point parce que tu l'as fait avec Arcanon. Voilà. Exactement. Alors, si tu veux que ce soit avec Arcanon, c'est 5 points. Mais bon, là, je vais prendre déjà les 4 points. Et du coup, on va pouvoir passer à mon tour 4. Donc, je vais commencer tout d'abord par générer un objectif auxiliaire qui sera du coup faire de lance sauvage. J'ai 2 monstres. Ils sont déjà dans le camp adverse, entièrement dans le camp adverse. Donc en plus de ça, ça va me faire un point bonus vu que ce sont tous les deux des monstres. Le but du jeu aussi, ça va être de pouvoir s'avancer vers la ligne adverse, pourquoi pas, pour générer des points supplémentaires au tour 5. Donc voilà, en début de phase de héros, notre ami Nagash, il va faire déjà les stalkers. Ah oui, action héroïque. Action héroïque, du coup, en début de phase de héros, j'ai rien à faire en action héroïque. Et moi, oui. Je me demande ce que je vais faire. Il va se guérir. Ah, bah, se guérir. Ah dommage. Il ne se guérit pas. Ah, bah, pour une fois. Ah, ça y est. Lui, il va utiliser son aptitude de co, donc il va m'en rester plus que 3 pour pouvoir faire relancer les jets de touche et de sauvegarde de 1. Et il me disait bravo, mais on s'en fout. Et de l'autre côté, on va commencer par lancer les sorts. Donc, tout d'abord, la protection de Nagash. Pour une ward à 5 et potentiellement téléporté, ça fait 7 et 3, 9. Beaucoup. Donc j'ai fait un 9. Tu as fait un 9. Il te faut un 8 avec les dés car tu as plus 2 en lancement et en dissipation. En dissipation, pardon. 9, aïe, 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 aïe. Brave petit. De l'autre côté, je vais lancer bouclier mystique. Là maintenant tu peux te faire plaisir, je n'ai plus de dissipation. C'est parfait. Donc bouclier mystique qui passe, je vais le mettre sur Nagash. Ensuite... Je vais lancer des traits mystiques à gogo, hein, pourquoi pas, on sait jamais. Ça va en faire 6, hein. Le premier, oui. Le second, oui. Le troisième, oui. Le quatrième, oui. Le cinquième, oui. Et le sixième, oui. Voilà, c'était 6 traits mystiques. Non mais je note, hein, non, mais Nagash, assuré. Si je jouais contre du Zench, le Zench serait très content. Et de ce fait, nous pouvons passer à la phase de mouvement et on vous retrouvera tout de suite après. Yep. On est de retour cette fois-ci, mais pour la fin du tour. Donc il a fallu faire plusieurs choix. Parce que en vrai, pendant son T5, s'il a un double tour, enfin si je n'ai pas le double tour, ça peut se renverser. Donc ce que j'ai décidé, c'était de jouer plutôt la sécurité. Donc en gros, j'ai effectué une grosse ligne comme ça
pour être quasiment sûr de garder ses objets jusqu'au tour 5. J'ai mis Nagash et notre ami le Gothizar entièrement dans le camp adverse pour pouvoir générer du coup mon objectif auxiliaire. Je me suis replié avec mes stalkers pour qu'il n'ait pas à essuyer du coup en début de phase de combat une attaque du côté du prince démon de Khorne. Et aussi comme ça, si jamais il avait le tour 5, s'il voulait faire par exemple monstre accapareur, il serait obligé de laisser un monstre ici et potentiellement d'éviter à ce que je reprenne par exemple l'objo, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ça peut rester dangereux tout seul dans son coin. Donc au final, je vais gagner 1 point, 2 points et 3 points parce que j'ai plus d'objectifs que lui à mon tour 4. Et je vais marquer 3 autres points supplémentaires car j'ai effectué faire de lance sauvage avec 2 monstres. Donc ça va me faire 3 et 3 points, ça va me faire 6 points. Et on pourra s'enjailler sur le T5. Le T5. Le fameux. Je t'en prie. Les joies du tour 5. Aïe. Ah. 2, mais c'est toi qui choisis. Exactement. Je n'aurais eu aucune initiative. Ah. Ah. Je ne te cache pas que j'aimerais bien te laisser l'initiative, mais vu ma situation, il faut que je continue à mettre la pression au fur et à mesure. Je ne peux pas faire autrement. Alors, du coup, en tactique de bataille, j'ai la possibilité de marquer des points gratuit, entre guillemets, mais là je peux faire monstre accapareur. Mais je ne te cache pas que pour la beauté du sport, il y a une petite mise à mort qui se profile. Ah, ça va aller vers qui? Alors, que j'explique comment on peut accéder de ici. Mm-hmm. Alors, explique-nous tout ça. Eh bien, c'est très simple. En face des héros, n'importe laquelle, justement, je peux, avec mes points de dîme de sang, je peux faire en sorte de choisir une unité et donc de la faire avancer. Normalement, donc ensuite comme c'est mon tour, en fait ça fait un double mouvement, puis la charge, etc. Donc en fait je peux aller projeter soit Archaon, soit projeter mon buveur de sang directement, pas forcément sur Nagash, on a bien vu comment il était résistant, on va dire ça comme ça pour rester poli, mais plutôt aller chercher le Gothizar sur un malentendu. Sur un malentendu ça peut marcher. Exactement, donc si ça ne te dérange pas, je vais prendre quelques minutes, voir les calculs, etc. pour voir si c'est vraiment faisable ce coup de poker. Du coup, petit résumé de ce tour 5. Eh bien, c'est très simple. Comme j'avais indiqué juste avant qu'avec la petite astuce de la dîme de sang, je l'ai appliquée directement. Donc, la phase des héros, le buveur de sang s'est soigné. Le Archaon lui-même s'est soigné grâce à sa capacité de tête de Dorgar. Il ne pourra pas effacer le fait qu'il a eu un PV de la honte. C'est ce qu'on dit. Donc, entre-temps, phase des héros, il a pu faire son mouvement de 14 pour que la phase de mouvement en lui-même, pouf, il avance de 14. Comme ça, je suis à 6 de faire ma tactique de bataille, car j'ai choisi justement mise à mort pour tuer un monstre. Ça tombe bien, c'est un monstre. Et il y a un plus gros qui arrive rien que pour lui, ça tombe bien. Du reste, justement, le buveur de sang, le prince démon et le bloodstalker se sont rapprochés pour contenir comme il faut les petits stalkers, pour éviter justement qu'ils aillent quand même récupérer l'objectif à la toute fin. Phase de tir, bon, comme d'habitude, les insultes ont fusé, voilà, cordialement, tout ça, tout ça. C'était pas poli, c'était un peu... Ça a brisé certains cœurs. Voilà, il n'y a aucun cœur sur la table. Bim! Moi, mon petit cœur, tu le fais saigner, tu vois. Entre-temps, justement, on arrive à la phase de charge, justement. Donc, j'ai une charge à 6 avec le petit père Archaon et les 3 autres, justement, qui sont à 3. Le plus important, c'est la charge à 6. En espérant que son cœur saigne, qu'il continue de saigner. C'est un 6. C'est tout ce qu'il fallait, hein. C'est bon. Hop. Puis de toute façon, même avec un 3, il aurait pu peel-in derrière et se mettre à portée exactement. Du Gothizar. Alors, entre-temps, le buveur de sang réussit sa charge. Nagash s'est rendu hors de le prince démon réussit sa charge. Et le bloodstalker réussit sa charge de toute façon. Alors, maintenant que mes charges sont faites, on va passer du coup aux furies monstrueuses. Archaon aimerait bien faire un bonus de plus 1 pour te toucher, mais surtout, il va t'empêcher de recevoir des ordres avec justement ton monstre. C'est réussi. Eh ben, mon monstre va faire exactement la même chose sur Archaon. Il y a une différence de poids, là. Ouais, là c'est... Entre-temps, mon buveur de sang ici présent va rugir pour t'afficher des blessures mortelles. Il réussit. Et il te fait 2 blessures mentales. Allez, une ward à 6 pour essayer de survivre un petit coup. Non, donc j'en ai un mort. On va garder le champion.
Alors, maintenant, phase des héros. Là, c'est... Non, phase de corps à corps. On peut enchaîner. Hein. On peut bien enchaîner sur mon tour. Y a J'ai senti, là, l'oubli, le grand sourire. Bref, tout ça pour dire que c'est le prince démon qui attaque tout d'abord grâce à sa capacité spéciale. Et je ne peux pas, du coup, relancer les jets de sauvegarde pour l'instant. Ce sera sur du 2. Ok. Sur du 3. Une blessure à moins 2, s'il te plaît. Une blessure à moins 2, du coup je passe sur du moins 1, donc ce sera du 5. Oui. Parfait. Ensuite, on a ces petites attaques de Malefic Talents. Sur du 3+, sur du 2 même, mais il lance les 1. C'est saut. Deux touches, sur du 3+. Une blessure, s'il te plaît. Toujours sur du 5, je suppose. Non. Deux dégâts. Deux dégâts. J'en sauve une, donc il me reste 3 PV sur le petit Stalker. Et donc là, c'était l'activation du Prince Démon avant tout le reste du corps à corps. On va passer directement à Arcane. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 points de commandement pour faire relancer jet de sauvegarde sur la première unité de Mortec et sur la seconde unité de Mortec. Je rappelle qu'en Ossiarch Bone Reaper, on peut utiliser 2 fois la même aptitude de commandement si c'est avec des points de discipline inflexible. Donc voilà, je l'ai fait sur les 2 unités différentes. Deux en moins. Okay. Et ce monsieur pourra relancer ses jets de sauvegarde grâce à son aptitude de base. Voilà. Ça marche. Alors ouais. Ensuite, vu que je peux quand même me donner des ordres, je vais me donner plus 1 en touche avec mon petit Archaon. Donc du coup, ça me fait 1 point de commandement en moins. Sur du 2, relançable D1. Sur du 3+, mais tu sais que ce sera le double 6. Oh, j'y ai cru. Pour mais que tu auras quand même 3 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. Qui passe à moins 1, car en pétrifex, je dégraisse l'arène de 1, donc ce sera sur du 5. Ouh, il y a 2 5 qui partent. 3 sauvegardes à perdre. 3 wards à 6. Je perds 3 PV, il m'en reste 7. Ne t'en fais pas, j'arrive pour faire le reste. Donc, 2 attaques de plus. Relance la D1. Merci. Sur du 3+, non mais pas eux, tout sauf eux, décidez gars, zut, c'est pas grave, j'ai 5 attaques, 1, 2, 3, 4, 5 avec les Lashing Tails, un du 3+, relançable des As, sur du 3, tu as 4 sauvegardes normales. 4 sauvegardes à 4+, je vais toutes les rater, 4 wards à 6, combien 4 wards du coup. Il me reste 3 PV. Tant mieux. Aïe. On ne se moque pas, on fonce, s'il vous plaît. Du 3+, 3 sauvegardes à moins 1. Donc 3 sauvegardes qui passent à moins 0. Donc du coup, du 4+. Aïe. À chaque fois, 2 de dégâts. Aïe, donc, sur 2-6. 2-6. Et non, il est mort. Il gagne ses points, mais c'était... Ah donc, c'est bon. On l'a rattrapé. Arcane, on tombe à la renverse. Oh mon dieu, il a réussi à faire quelque chose. Notons que ce sont que les têtes de Dorgar qui font quelque chose depuis le début de cette partie. C'est beau. Du coup, je vais taper avec mon Stalker et je vais utiliser un PC. Donc, je n'aurai plus de PC sur ce round là. Enfin, sur cette ronde pour l'instant. Donc, pour avoir plus 1 en rend, et je vais taper sur notre ami le Bloodthirster. Et bien, du coup, je vais activer mon point de commandement pour faire plus 1 en sauvegarde, s'il te plaît. Donc, ça va être du 4+, relance les As. Ok, ça marche, je prends. Ici. Du 3+, ça va te faire 2 sauvegardes à rend moins 3. Donc, du coup, je n'ai que moins 1. Donc, 2 save à 5. Et c'est 2 dégâts chacun. Il reste 3 PV. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis déjà c'est pas mal. Ensuite ce sera l'activation justement du buveur de sang hein, pour se venger hein, de l'affront qu'il subit depuis des tours et des tours. Sur du 3. Ensuite tu m'as fait assez de dégâts, du coup ce sera sur du 4. Tu as 2 sauvegardes à moins 2 s'il te plaît. Donc 2 sauvegardes à moins 2. Donc ça passera à moins 1, donc ce sera du 5+, relançable. Je relance. Oui, joli, il est là. Bah écoute, on va commencer avec 2 petits Ossiarchs qui vont faire 4 attaques en 3+, moins 1, mais relance les As. Parfait, je vais du coup rajouter même un dé pour ta peine. Voilà, et ça va te faire... Le malus de base, c'est 3+, et du coup, ça va te faire... Non, j'ai fait un très bon jeu. Non, j'ai pas de soucis, hein, je te comprends. Et j'ai du coup, t'as que 4 saves à Ren moins 1. Très bien. Et tu avais fait ton bouclier mystique, rappelle-toi. Non, je te l'avais dissipé. Non, c'est dissipé. Et je n'en ai pas besoin, c'est Arcane. Ouais.
Chaos Corp représente, voyons monsieur. Et du coup, c'est à toi de taper. Non, je crois si, que c'est. Ah oui, avec ton. Woody Blue Stalker. Eh, il est quand même présent. Ah oui, c'est vrai qu'il est là. Et il s'est fouetté. Il va pouvoir relancer ses jets pour blesser. Alors, déjà, 3 attaques, 3 plus, 3 plus. C'est quand même le Bloodstalker qui a fouetté Arcaron quand même. Non, il lui a suggéré de faire voilà. quelque chose. Il lui a dit. Il l'a caressé dans le sens du poil. Il y a peut-être moyen que tu fasses ça. Je peux relancer le 1. Oui. Tu as 2 sauvegardes normales, s'il te plaît. Donc 2 sauvegardes à 4, relançables. On relance. Oui. Oui. 3 plus, mais ensuite sur du 4 plus. Donc une touche. Une sauvegarde, s'il te plaît. Non, relançable. Non. Un point de vie. Sur du 6, car il est Hécatos. Non, il va lui rester un PV. Un PV, tout à fait. Et bien du coup, c'est à moi de taper avec les Ossiarques qui sont ici. On va s'amuser. 13 attaques sur du 4 plus, relance les As. J'ai relancé les As. Alors, on sort comme les 6, mais bon. Ça, oui, il y a du 6. Hop là. Celui-là aussi. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et rien du tout, mais je vais garder ces 2 dés plus un autre. Et là, ce sera sur du 4. Ça va te faire 5 sauvegardes, encore une fois, à moins 1. Ah, 2 PV. 2 points de vie. Il le regagnera. C'est 2 PV de la honte. Encore ? Il n'y a que ça, décidément, dans ce jeu. J'ai un point, vu que j'ai toujours l'objectif. J'ai fait ma tactique de bataille, mon 5 à 4 heures. Non, mise à mort. Mise à mort. En faisant avec le monstre. Oui. Ça me fait 4 points. Et tu as tué un monstre de Gur. C'est ça. C'est 5 points. Donc ça fait 5 points. Et bien du coup, on va pouvoir passer à mon tour 5. Et on va pouvoir tout de suite enchaîner. Alors pour mon tour 5, du coup, en objectif tactique, je vais tuer ton seigneur de guerre. Donc il lui reste 3 PV. Tout à fait. C'est parfait. Alors du coup, début de phase de héros, je n'ai plus de points de discipline inflexible, mais je vais lancer ordre ésotérique sur du 5. Et moi j'ai toujours. Moi je gagne un point de commandement. C'est ça. Donc 6 et 3, ça fait 9. Est-ce que tu veux me dissiper ce sort-là? Alors, rappelle-moi ce qu'il fait, s'il te plaît. Ça me donne des 3 points de discipline inflexible. En fait, je vais quand même le dissiper avec Arcaon, parce que les deux sont apportés à chaque fois d'un bonus de plus 1. Je vais le faire pour lui. Donc avec plus 1, du coup. C'est ça. Si c'est un 7, non, ça passe. Donc je vais générer des 3 points de discipline inflexible. Tout ça pour un seul. Mais que je vais tout de suite dépenser pour me donner la relance des jets de touche de 1 et des jets de sauvegarde de 1. Sort, je vais lancer protection de Nagash. Ça passe sur du 5 plus 3, ça fait 8. Pour une téléportation. Voilà, pour une petite téléportation, on sait jamais. Non, mais tu sais quoi, le buveur de sang te l'interdit. Donc j'ai fait 8, il te faut un score comme ça. Ah, voilà, voilà. Alors, premier tri mystique, j'ai fait 2 sorts pour l'instant, c'est ça. Tout à fait. Donc le premier, ça passe. Deuxième trait magique, ça passe. Troisième trait magique, ça passe. Quatrième, ça passe. Cinquième, ça passe. Et le dernier, on est parti. Ah, je vais le dissiper, celui-là. Ça fait 9. 7 et un 8, non. Parfait. Donc j'ai 6 traits mystiques. Phase de charge. Je te laisse faire une action. Le prince démon. Yes. Ah non, la furie monstrueuse. La furie monstrueuse, c'est ça. Bah justement, je vais te piétiner. Ça passe. Avec des 3. Des 3 blessures. 3 blessures. C'était mon dernier espoir. Et il est mort. Il est mort. C'était mon dernier espoir. Dommage. Et sur ce, bah écoute, je vais gagner 0 points d'objectif tactique. J'ai tenté le coup, mais ça n'a pas marché. Je te comprends. Par contre, je vais gagner 1 point, 2 points et 3 points d'objectif primaire parce que j'ai plus d'objectifs que toi. Exactement. Du coup, ça va faire 26 à 21. C'est ça. Merci pour ta partie. Mais je t'en prie. Très intéressant en tout cas. Et vive Nagash ! Vive Nagash ! Nagash, il est là, il est là. C'est lui. Non mais on le censure ça, non, c'est mort ça. C'est lui, c'est lui. C'est le beau gosse. C'est lui. Voilà, tu le reposes, voilà. On voit mieux la stature comme il faut. Voilà. Et on se retrouve de suite pour le debuffing. Et on se retrouve pour le debriefing. Les gars, bravo. Merci. Super partie. Vraiment, alors je ne savais pas où ça allait jusqu'à la fin. Je pense que vous non plus. Il y a plein de choses qui se sont faites. Ça allait dans tous les sens. J'ai évité de trop bouger les bras. Ils me font super peur. Mais bon, ça a commencé là. Arcaon a
fait les quatre coins de la table. Il a fait son petit tour en fait. Nagash il était là, puis après il était là. Il a fait une petite diagonale quoi. C'est ça. Non, c'était riche en rebondissements. Alors pour moi, c'était la première fois que je voyais les Osiarques. Voilà. Les trucs quoi. Les gros squelettes en action. Et c'est tanky, c'est violent. Il y a un bon support, enfin c'est plus qu'un support, c'est Nagash. C'est vraiment cool à jouer. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a eu des erreurs? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait, pas fait? De ton côté, Max? Oui, il y a eu plein de choses. Hein. Le show de dire tiens, T2, je vais aller chasser un petit Nagash sans bonus, etc. C'était présomptueux. Ah, j'aurais été très content si ça avait fonctionné comme ça. Je dis ouais, vous avez vu ça. Le talent, mais non, ça n'a pas marché. Sinon, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Peut-être vraiment, dès le début, ne pas m'intéresser à Nagash, vu son potentiel justement de tanking à ce niveau-là, pour vraiment me concentrer dès le début sur la prise d'objectif dans son camp, tout en conservant le mien, pour ensuite justement lui mettre vraiment la pression sur les objectifs, et de dire, bah en fait, Nagash, je l'ignore totalement. Donc, en fait, si tu veux vraiment marquer des points en termes de monstres, etc., tu es obligé de prendre toi-même des risques pour venir me chercher directement, alors que je m'occupe vraiment de ton côté. Bon, au final, c'est ce que toi, tu as fait du mien, vu que tu as vraiment conquis mon territoire au fur et à mesure, sans aucune défense possible inimaginable. Bon, si tu as eu les Blood River qui t'ont fait coucou à chaque fois, et voilà. sinon, qu'est-ce qui aurait pu changer d'autre? Des plays assurés pour marquer des points par-ci par-là, certes, mais justement, l'avantage de Korn, c'est avec justement la pointe des points de Dim 200, justement faire en sorte de pouvoir attaquer dans la phase de héros adverse pour éliminer une unité, pour être libre après, ou comme c'est passé au dernier tour, en fait, d'avancer deux fois, lui remettre une pression supplémentaire. C'est pas forcément entre guillemets des mauvais plays, c'est des plays risqués, certes, mais qui sont payants à la fin, tout en justement faisant en sorte que il faut les activer. Donc voilà. Je sais pas si toi, Milana, t'as des choses à dire sur ça. Sur la game, en fait, j'ai abordé la game en me disant qu'il y avait deux possibilités de mon côté. Quand on joue Nagash, alors moi, c'était la première fois que je jouais Nagash en V3 et même la première fois que je jouais Nagash depuis très 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 longtemps. Moi, c'était pareil avec Arcaon. Du coup, on redécouvrait nos figurines. Ah, vraiment, on redécouvrait vraiment. J'adore Nagash, c'est mon personnage préféré, mais le délire, c'est que ça faisait super longtemps que je l'avais pas joué. Et en fait, en découvrant un peu cette V3 avec lui, en voyant Arcaon en face, je me suis dit qu'il y avait deux choses à faire. Soit c'était de jouer derrière et de me téléporter à un moment donné pour renverser la vapeur. Mais à ce moment-là, il fallait vraiment que le sort passe, que ce soit pas dissipé et que je puisse faire ce que je veux derrière. Soit c'était de tenter vraiment le pari, c'est-à-dire de diviser ton armée, d'emmener Nagash dans un coin et du coup d'attirer tous les monstres d'un côté et de mettre le gros nombre de mes Mortal Guard de l'autre côté pour aller prendre les objets petit à petit. Et en fait, c'était un pari, c'est que certes, tu penses que ça a été une erreur pour toi d'avoir lancé Arcaon et les Bloodthirsters dedans. Je pense que c'était pas forcément une erreur. C'était un pari, c'est que oui, c'est ça, c'est un pari. Sur des grosses figurines comme ça, ça se joue souvent au craquage. Donc voilà, 4 dés qui doivent faire 2-6, t'as beaucoup plus de chance quand tu fais deux phases de combat de suite. Voilà, maintenant ça n'a pas marché, sur d'autres parties ça aurait marché et du coup mon pari n'aurait pas été le bon. Voilà, après c'était assez intéressant parce que il y avait quelques petits oublis de ma part, forcément le décor en fait, j'ai pas pu ramener le décor aujourd'hui, donc on s'était dit quand tu le vois pas, t'y penses pas. Voilà, c'est ça. Après je pense pas que ça aurait changé grand chose, peut-être qu'avec un -1 en dissipation sur Arcaon ça aurait pu potentiellement faire une légère différence sur certains lancements de sorts. Mais je pense pas que ça a changé non plus la phase de la partie. Non, c'était par exemple peut-être une fois où j'ai fait un trait magique, j'aurais pu lâcher le Purple Sun, je crois que c'était au T3 ou au T4, pour justement me téléporter et aller chercher les Blood River. Mais qui traînaient dans le coin. Ouais. C'est ça. Maintenant, après, ça n'a pas non plus, encore une fois, changé la partie. C'était plus un manque d'habitude de jouer avec Nagash. Alors certes, ce qui est drôle, c'est que
Beaucoup de gens pensent, comme à l'époque en V2, quand on spammait des grosses unités avec du gros nombre, c'est facile à jouer, et parce que comme c'est des unités qui sont fortes et qui sont populeuses, bah, c'est facile à jouer. Maintenant en V3, ce sont les gros monstres qui ont l'avantage du fait de tanker. Nagash et Arcanon, ça tanque, mais vraiment, bah, c'est hardcore. C'est fou. Le fait que ça tanque et que beaucoup d'entre eux tapent fort, en fait, on a l'impression que c'est facile à jouer, mais en fait, ça ne l'est pas. On a vu de ton côté, il a fallu que tu fasses des paris avec Arcaon et que tu et que bah, au T5 par exemple, tu as tenté un pari et ça a marché. Ouais, jusqu'à l'autre bout de la table exprès. Donc, ouais. Et bah, Nagash, même chose en fait. Et souvent on pense que 8 sorts à lancer c'est bien, mais il faut avoir un ordre de lancement, il faut savoir quand lâcher son Purple Sun, savoir son sort persistant. En plus de toutes les synergies habituelles, il faut juste regarder le War Scroll, c'est une page complète énorme. C'est ça. Et des fois, donc, on peut utiliser des trucs, pas d'autres fois, etc. Et en fait, il y a tellement de possibilités, en fait, qu'on s'y perd, en fait. C'est une page de War Scroll et... Et 9 bouquins, en plus, là, sur la figurine. C'est ça, c'est ça, 9 bouquins. Alors, il a un 10e bouquin, en fait, il est en train de lire le Battle Tome Soulblight. C'est pour ça que, voilà. Mais du coup, voilà, c'était... Personnellement, je trouve que c'était assez intéressant. Il y a eu aussi les initiatives... qui t'ont redonné l'avantage par rapport au fait que tu n'as pas eu des bons jets de dés sur la tueuse de roi. Je pense peut-être que me donner le T3 en gardant l'objectif et en m'en supprimant un, t'aurais peut-être donné en fait un avantage. L'avantage parce qu'au final, de mon côté par rapport au T3. Tu as eu 2 points d'objectif secondaire de plus que moi et moi j'ai eu 5 points de primaire. Non, j'ai eu 8 points de plus de primaire que toi. 7 points de primaire de plus que toi. Et sur 3 tours, ça sur fait 3, beaucoup. Ça fait beaucoup, et en fait, on aurait pu arriver à une égalité, voire une victoire, victoire pour toi. Il y a un certain équilibre sur la partie, hein, on est à 26 à 21. 21, ouais. 5 points d'écart, bah, c'est ce que tu dis, hein, c'est grossièrement, c'est sur cette bascule. Un jeu par tour, en plus, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, les listes, le jeu était équilibré. Oui, deux gros monstres d'un côté. Enfin, 3 gros monstres. Attends, s'il te plaît, il y a, quatre gros monstres d'un côté. Bah, t'es parti vite. Mais de toute façon, voilà, de ton côté, t'avais 3 gros monstres qui faisaient mal. Et t'as été obligé voilà, de les mettre plus d'un côté que de l'autre. Là où moi, j'avais 2 unités vraiment tanky qui allaient de leur côté pour aller grappiller les objets. Donc, ouais, c'était assez équilibré, quoi. Surtout qu'en plus, on joue 2 dieux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on a un potentiel de destruction. Alors, 2 dieux, moi, je suis... Lui, c'est un dieu. Lui, c'est pas un dieu. C'est un élu éternel, moi, je veux bien, mais c'est pas un dieu. On en parlera dans plusieurs versions. Alors, mais bref, dans tous les cas, on joue justement des figurines qui valent extrêmement cher par rapport à nos listes. Et en fait, elles ont tellement de potentiel de destruction dans tous les sens. Toi, la magie, moi, au corps à corps, etc. Même toi aussi, au corps à corps. Que bah, parfois, on est mode, bah, en fait, ça fait tellement le café bah, que bah, on sait pas forcément... sur quoi agir en particulier, parce qu'on partout on va l'amener. Bon, sauf quand ils s'affrontent directement, bah en fait on sait que ça va être le potentiel de destruction et d'office quoi. Et ce qui est bien après dans cette nouvelle version du jeu, c'est que c'est eux qui en fait définissent la méta dans le sens où, comme les gens vont avoir l'habitude d'affronter du Nagash ou de l'Arcaron, ou de la Lariel, du Gothrek et compagnie, bah en fait on va avoir des listes contre ce genre de grosses figurines et ce genre de gros monstres. Par exemple, toi tu avais eu... le débat, la réflexion, est-ce que tu prenais une liste de cornes full dissipation pour m'enlever tout mon potentiel sans, de magie sans avoir besoin de jouer Arcaon, puisque en full dissipation, bah, en fait, c'est très simple, c'est Nagash qui se fera automatiquement lui-même des blessures mortelles au cas où. Donc, c'est ça. Et tout simplement. Du coup, la question se pose, et c'est ça qui est cool, c'est que bah, maintenant, on a des gros monstres qui forcent en fait, les gens à jouer contre, donc c'est assez intéressant. Et c'était drôle de les voir se tourner autour. C'est ça. L'histoire se répète sans arrêt. C'est ça. Et d'autant, de toute façon, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les autres rapports de bataille, c'est des indispensables dans les listes, parce que bah, ils sont super cool, mais ils ne font pas tout quand même. Tout n'est pas centré sur une seule figurine. Là, notamment, hein, tes lignes ont bien fait leur travail et étaient une menace déjà d'eux-mêmes sur la table. Je le vois sur d'autres dieux comme Kranios qui... bien que surpuissant et vite limité si on le gère bien. C'est ça. Et c'est ce que j'aime dans cette V3, moi. C'est la façon dont les grosses figurines sont jouées. Comme tu l'as dit, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Nagash, qu'on n'avait pas envie de jouer Nagash parce qu'il était cool. C'était donc, ça. Donc c'est super cool. Très bien, les gars. Alors, petit instant promo, j'aime bien parler de ce que font mes invités.
Bah, commençons par toi. Donc, Morgoth, toi, tu es sur Twitch. Eh oui. Donc, tu fais de la peinture en live, tout à fait. Peinture de, en live de figurines. Bon, là, principalement, du chaotique, des décors pour mes chaoteux, hein, bien comme il faut. Oui, j'ai essayé de faire du jeu vidéo, mais OBS ne veut pas. Tant pis, hein, les vieux m'ont condamné à peindre sans arrêt. Enfin, autant peindre comme il faut. Sachant que je peins, entre guillemets, comme je veux, quand je veux, etc. Surtout quand je peux. Donc, voilà. N'hésitez pas à passer si vous le souhaitez, et voilà. Bah, et je te remercie parce que Morgoth m'a peint gentiment un cruel boy, que vous pouvez voir là tout de suite d'ailleurs. Voilà, donc je te remercie. Donc voilà, c'est les petites choses qu'il peut faire comme ça en live, ça discute, c'est sympa. Moi j'aime bien peindre avec lui maintenant, je ferai que ça maintenant que merci je fais. C'était la première fois que je découvre. Je note maintenant, t'intéresses là. Ouais, mais tu me préviens, je suis là. Ok. Quant à toi, Miladin, est-ce que tu as une petite actualité ou tu es un Twitcher aussi? Alors, je suis pas Twitcher, je regarde sur Twitch, mais je suis pas ma chaîne. Mais bah, déjà, petite dédicace aux communautés dont je proviens, donc Warhammer Paris 15 et Esprit Ludique. Ils se reconnaîtront, donc petite dédicace à vous. Et si je peux me permettre, j'en profite moi aussi pour faire un gros clin d'œil à Paris 15. Et croyez-moi, ils sauront pourquoi. Ils sauront pourquoi. C'est je le dirai après. Paris 15, meilleur. Les meilleurs de Paris. En fait, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on a ce qu'on appelle les sélections de l'académie. Donc, pour ceux qui veulent se mettre au compétitif dans AOS, qui veulent potentiellement s'améliorer pour hisser leur niveau au niveau régional, national ou même international, l'équipe de France, chaque année, met en place ce qu'on appelle l'académie. Donc, c'est une présélection d'une vingtaine à une trentaine de joueurs, parmi lesquels les 8 prochains joueurs de l'équipe de France seront sélectionnés pour aller défendre les couleurs de la nation contre les vaillants Danois, les super Américains et ces sales roses bifs. Je l'attendais. Donc voilà, mais donc en fait, vous pouvez accéder au site de l'OSFF, donc la Fédération AOS française, sur Internet. Dans la partie académie pour voir comment vous pouvez vous inscrire. Il y a des sélectionneurs qui sont là pour voir vos candidatures qui sont là pour parler avec vous. Si vous voulez vous entraîner et prouver que vous avez le niveau, ces sélectionneurs peuvent passer à des tournois. Il y a les French Single Cup si vous êtes déjà inscrit là-dessus. Et si vous n'êtes pas inscrit au French Single Cup, bah, il y a d'autres tournois qui vont arriver là pendant le restant de l'année 2021. Pour prouver justement que bah, vous avez le niveau pour l'académie. Et puis si ce n'est pas pour cette année, bah, vous pouvez toujours tenter l'année prochaine. Donc voilà. Et puis bientôt, il va y avoir des informations sur la French Team Cup, donc la Coupe de France en équipe d'AOS, de l'AOSFF. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas à tenter le coup, à tenter l'aventure. Moi, je reviens de Milan et c'était ouf. Voilà. Je vous dis, tout le monde peut le faire, c'est ouf et c'est kiffant. Si un gars de P15 l'a fait... Mais pour confirmer ce que tu dis, et puis sur Creative Wargame, on s'efforce d'essayer de le montrer, c'est que le monde compétitif de Warhammer, que ce soit 40 000 ou AOS, peut faire peur, on peut le comprendre, mais c'est vraiment une belle manière de vivre cette passion. Tous les gars que vous pouvez voir, qu'on a pu rencontrer, ne regrette pas de s'être lancé dedans, même on a vu des débutants qui ont découvert un autre monde, parce que c'est très, il y a un aspect social très fort, on se fait des copains, on se fait très peu d'ennemis, ça peut arriver qu'on s'engueule, mais c'est la vie. Attention. Mais voilà, donc même si vous ne dites pas que ça va être votre vie, essayez, parce que c'est vraiment... une manière assez dingue de vivre le wargame. La meilleure façon de savoir, comment ça se passe, c'est d'en faire. Et franchement, le tournoi, c'est ouf. Pas juste au niveau compétitif, mais vous pouvez y aller progressivement. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'y suis allé. Ça m'a pris beaucoup de temps de passer du joueur qui arrivait en tournoi, qui jouait une liste, qu'il kiffait parce qu'il kiffait le fluff. Et à un coup, ça vous monte à la tête. Ah, j'ai bien envie d'améliorer ma liste. J'ai bien envie de faire des meilleurs résultats. Et en fait, ça monte tout seul. Et après, bah, vous rencontrez des gens, vous êtes sélectionné. Et puis derrière, bah, vous partez à Milan et vous faites les zinzins, dans un autre pays. Et vous buvez des bières avec d'autres joueurs qui viennent d'autres pays, qui traversent l'Atlantique pour vous voir et qui sont super sympas en plus. Oh, bientôt le bêtisier alors.
Sur ces mots, les gars, merci encore. Merci, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir, j'espère vous revoir très bientôt. Ah, moi j'espère aussi. Vous pouvez ouvert quand vous voulez. Yes. Nagash. Tu reviens avec Nagash quand tu veux. De toute façon, il y a des places réservées pour Nagash, je les garde, mais le tien est le pass VIP. Et moi Bah non, mais Arcan évidemment, mais il est déjà là. Il est là tout le temps. Nos partenaires qui nous ont aidés, qui nous aident toujours à faire nos vidéos, donc Crank War Game évidemment. Pour ces tapis de grande qualité, ils sont jolis, et notre nouveau partenaire, avec un lien d'affiliation dans la description, Myobi Place, pour avoir des produits, notamment Game Workshop, à des prix très compétitifs. Allez les voir, ils sont super cool, Christophe, salut. Voilà, donc tous les liens dans la description, hein, tous nos autres partenaires. On n'oublie pas le pouce bleu, le commentaire. Le partage, très important, et le Tipeee, très important, c'est vous qui voyez, mais c'est gentil. Pour Nagash. Merci, à bientôt les gars. À bientôt. Et merci à vous. Et à vous, je dis ciao les seigneurs de guerre.